va donner à quelqu'un un nouveau regard. Et tac, il se passe quelque chose. Pourquoi tu fais reproche à l'autre pour qu'il redevienne ton frère, ton prochain? Pour qu'on soit tous ensemble. Après maintenant, il faut avoir le tact, il faut surtout la finesse, mais surtout il faut savoir. Il faut savoir au fond, pourquoi t'as ouvert la bouche. Qu'avant de s'amuser à faire des reproches à son prochain, il faut bien comprendre. Est-ce que oui ou non, j'ai la faculté d'analyser mon prochain et son problème comme il faut par rapport à la situation? Mais si vraiment tu travailles pour le bon Dieu et que tu veux lui ramener un autre dans son club, comment ça se fait que tu l'as dégoûté pour 20 ans? Adapter le message à la personne qui est devant toi, selon son âge, selon ses capacités mentales, selon sa sensibilité. Mais si toi tu dis, non, moi je vais dire la vérité, je fais que les 20%, ça ne passera jamais. Maintenant, si tu as décidé d'utiliser a priori la mauvaise manière, c'est que tu voulais que ça ne marche pas. Avant d'aborder ce sujet, quand on fait une tochacha à son prochain, il ne faut pas se mettre en colère. Maintenant, des fois, il faut savoir faire cette mitzvah accessible à chacun, se la fermer. On fera des reproches à son prochain uniquement si on sait que le reproche sera écouté et sera assimilé et que la personne appliquera ce reproche. Tu parles pas à l'extérieur de la personne, tu parles à l'intérieur de la personne. Et le message, il doit venir de l'intérieur pour arriver à l'intérieur. Les choses qui sortent du cœur, elles rentrent dans le cœur. Dans Michelin, on nous rapporte que le Chacham, il aime les Tochachot. Et que le Racha, il aime pas les Tochachot, il veut pas aller écouter le Chacham. Il est bien comme il est. Parce qu'en réalité, la logique, c'est quoi? C'est que l'autre, il me sert aussi à ouvrir un angle de vue. Et ça veut dire que la première tochacha, oui, tu l'as cherché toi, tu la cherches pas chez l'autre. Quand nous, on sait faire la tochacha à son prochain, quand on sait faire le reproche et mettre les formes qu'il faut, on réussit au niveau de son foyer. Pourquoi je lui fais un reproche dévoilé? De lui faire le reproche de façon dévoilée, ça prouve que tu l'aimes encore plus. Parce que tu lui fais ce reproche pour lui, pour son bien, pas pour toi. Et ben c'est pareil la tochacha, c'est 80% de confiance et 20% d'information. Donc on va d'abord dans un premier temps, Kvod Harav, Rabbi Yechia, on va essayer de développer différents points. Et premier point, c'est qu'est-ce qu'une tochacha? Qu'est-ce qu'on appelle une réprimande? Alors, bonsoir à toutes et à tous. Bien sûr, de réfléchir qu'en fin de compte, la réprimande, c'est comme toutes les lois de communication. À chaque fois qu'on est en face de quelqu'un et qu'on doit faire passer un message, en fin de compte, le message le plus difficile, c'est le message de la réprimande, c'est-à-dire le message de la remise en cause. Souvent, je fais des conférences et j'explique des choses et tout ça, et les gens viennent et me disent « Bon, ça, c'est très joli, mais quand la personne ne veut pas écouter, quand la personne ne veut pas changer, quand la personne ne veut pas comprendre, comment on fait ?» C'est difficile, c'est pour ça que beaucoup de gens se marient au cotel pour prendre l'habitude de parler à un mur. Mais l'idée en soi, c'est vrai, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on peut susciter? Alors l'idée en elle-même de la tochacha, il suffit de regarder en fait le contexte dans lequel elle est placée dans la Torah. Quand c'est marqué là-bas, Ochiar, Tochiar et Amitecha, juste avant c'est marqué Lotisne et Achicha Bidvavecha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et juste après c'est marqué Ve'avta l'Ereacha Kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est deux lois qui n'ont rien à voir. Il y a deux mitzvot qui n'ont rien à voir. Une mitzvah d'aimer son prochain, une mitzvah de haïr son prochain. Alors déjà ici, la Torah, elle a donné un peu le programme. Elle t'a dit dans quel contexte tu dois faire une tochacha, seulement si tu es capable de ne pas haïr ton prochain. Maintenant, quel projet tu dois avoir dans la tochacha? Ve'avta l'Ereacha Kamocha, tu dois aimer ton prochain. Donc la tochacha, qu'est-ce que c'est? C'est une remise en cause. C'est de mettre quelqu'un en place. C'est d'éclairer quelqu'un, de lui enseigner, de lui faire passer un message. Et pour ça que le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il dit que tochacha, c'est milashon ochacha. C'est-à-dire que le plus important dans la tochacha, c'est la clarté. Maintenant, pour ceux qui ont un petit peu des notions d'enseignement ou qui ont essayé de faire passer un message à leurs enfants, ils savent que tu ne peux pas être clair pour quelqu'un si toi-même tu n'es pas clair. C'est pour ça que l'impulsion première, oui,
qui va être dans n'importe quel type de communication, que ce soit en tant qu'enseignant, en tant que rave, en tant que parent, mais en tant aussi que conjoint. À chaque fois qu'on voudra faire passer, il va falloir que pour qu'il y ait une ohaha, oui, pour qu'il y ait une tohaha, il faut qu'il y ait une ohaha. Il faut avoir cette clarté, cette force et ce travail de préparation. Souvent, les gens ne se disent pas compris, alors que quand on leur demande de s'expliquer, eux-mêmes, ils ne sont pas compréhensibles. C'est que ça a l'air débile comme ça, oui, mais il y a beaucoup de gens comme ça, qui en fin de compte ne sont pas compris, mais eux-mêmes ne sont pas clairs. C'était quoi ton problème? Ah, mais de toute façon, eh ben, j'ai pas envie d'en parler. Et puis bon, et puis c'était facile, elle avait qu'à comprendre, il avait qu'à comprendre. Donc ça veut dire que déjà le climat, le démarrage de la tohaha, c'est-à-dire le fait même d'avoir cette clarté de transmission pour arriver à une remise en cause. Parce qu'il s'agit de quoi maintenant? Il s'agit d'un panneau. La Torah, elle t'a dit, il faut pas être mechalel Shabbat. La Torah, elle t'a dit, il faut manger kasher. Maintenant, toi, tu vois quelqu'un qui mange pas kasher, alors tu as une mitzvah. Tu as une mitzvah d'intervenir. Cette mitzvah-là, on va voir, elle se fait dans certaines conditions, mais l'esprit au départ, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Ouais, on pourrait poser la question, de quoi tu te mêles? Donc ça veut dire qu'il y a une obligation pour chacun d'être préoccupé par un autre juif qui est dans l'erreur. C'est logique. Il dit, si c'est ça le projet, si c'est ça vraiment ça le projet, alors on peut comprendre pourquoi est-ce que cette mitzvah, elle est fondée sur le dîme de Harvout, qu'on est tous responsables les uns des autres. Mais Arev, ça veut dire responsable, mais Arev, c'est aussi Meorav. On est aussi mélangé. On est lié. Si on est lié, ça veut dire qu'on est tous dans le même bateau. Il ne faut pas croire que quand quelqu'un y délire de l'autre côté, alors nous, on est préservés par nos téphilines ou par notre perruque. Oui, il faut savoir qu'on est lié les uns aux autres. Moi, quand les gens ils me posent sur la Shoah, ils me disent comment ça se fait qu'il y a des tzadikim qui sont morts. Moi, je demande toujours pourquoi il y a des rishaim qui ne sont pas morts. Bon, chacun, il a ses questions. Oui, mais pourquoi? Mais c'est un seul corps. Comme quand quelqu'un il s'est blessé ici, avec un clou rouillé, eh ben, il peut avoir une septicémie et ça l'atteint au cœur. Pourtant, c'est le doigt qui est blessé. Alors il dit le Maharal, parce que Kol Israël, Gouf Echad, tout Israël est un seul corps. Des fois, on a de mal à se reconnaître dans d'autres juifs, et pourtant, c'est un seul corps. On est tous des frères. Et ce qui est difficile à comprendre, c'est que malgré que nous-mêmes, on a du mal à s'accepter, Dieu il nous aime tous. Donc il va falloir essayer d'être un petit peu à son image. Et c'est aussi l'objet de ce cours. Je vais m'arrêter sur des citations de David Ameller. David Ameller, dans le Sefer Tehilim, il nous rapporte à deux reprises, il demande à Dieu de ne pas lui faire de reproches dans la colère. Et si, je vais vous lire les deux psukim très bientôt là, mais on voit, si on analyse bien le langage utilisé, c'est exactement le même verset, à une petite différence près. Regardez, premier verset, c'est dans le Perek Vav de Tehilim, le Pasuk Bet, on dit « Al ba pecha tochecheni, v'al bechamatecha teyasereni » Donc, ne me fais pas de reproches dans ta colère, et dans ta fureur, d'accord, ne me fais pas de reproches. Ne m'enlève pas de mon mérite. Ça, c'est le premier verset. Deuxième verset, Al bekitzpecha tochicheni. Donc, c'est aussi, ça veut dire la même chose. Hein. Af et ketzef, c'est la colère. Donc, ne me fais pas de reproches dans ta colère. Ou bechamatecha tesayereni. Et dans ta fureur, tu m'enlèveras. Ne m'enlève pas de mon mérite. Qu'est-ce qu'il veut nous dire ici, David Ameller? Le Malbim, là-bas, il nous explique qu'il y a une grande différence entre les deux versets. Premièrement, on verra que la colère, quand en hébreu on appelle la colère Belashon Af, c'est une colère qui est moins grave, moins importante que la colère qu'on appelle Ketsef. C'est une colère plus importante, plus soutenue. Maintenant, par rapport à ça, on voit que dans le premier verset, à deux reprises, il dit Al. Ne te mets pas en colère, dans ta colère, ne me fais pas de reproches, et ne m'enlève pas de mon mérite dans ta colère, dans ta fureur. Alors que dans le deuxième verset, on dit, ne me fais pas de reproches dans la colère, et ne m'enlève pas de mes mérites. Ici, le Mambim, il explique que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il est vraiment en colère contre un juif, il va lui enlever de ses mérites, et pour le réparer, il va lui envoyer des épreuves. Il va lui envoyer des épreuves. Ça, c'est premièrement. Donc David Ameller, à trois reprises, il demande à Kadosh Baruch Hu de ne pas lui envoyer des épreuves, de ne pas le réparer au niveau de ses défauts et de ses qualités par l'épreuve physique.
mais simplement d'être miséricordieux vis-à-vis de lui. Et dans le premier verset, c'est ce qu'on comprend. Dans le deuxième verset, David HaMelech, il dit « Mais si tu te mets réellement en colère contre moi, donc si tu es Beketsef, tu es dans une grande colère, il sera clair que Dieu, là, tu vas devoir m'enlever de mon mérite. » Et pour quelle raison David HaMelech demande une chose pareille? Parce qu'on nous rapporte que la Tochacha dans la Gemara, Masechet Arachin, Dav Tetzayin Amud Bet, là-bas on nous dit que pourquoi on fait une Tochacha, pourquoi on doit faire un reproche à son prochain, pour que le prochain fasse Teshuvah. Tout simplement. On voit dans le Lashon des Poskim, il y a un siman qui est très intéressant, dans l'Ora Chaim, dans les Alachot de Kippour. Le siman, je l'aime beaucoup parce que c'est le Tav Resh Chet. C'est Terach. Terach, c'est le père d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, il n'a pas eu peur de faire des reproches à son père quand il faisait Avodah Zarah. Pour quelle raison? Là-bas, on nous rapporte, il y a un Rama qui nous dit qu'on fera des reproches à son prochain uniquement si on sait que le reproche sera écouté et sera assimilé et que la personne appliquera ce reproche. Donc, véritable reproche est celui qui permettra à l'autre de se remettre en question pour faire teshuva. Voilà. Ça, c'est le premier point. Et après, on voit que ici, réellement, on parle du but recherché. Le but recherché à travers la Tochacha, que l'autre se remette en question et qu'il fasse teshuva. Maintenant, peut-être que Laura veut rajouter un point. Oui, c'est très important dans cette notion de Kippour, justement, de la, puisque là, c'est là-bas que le Shulchan Aruch il illustre cette halakha, d'aller voir l'autre. Maintenant, je sais que l'autre, il a fait une erreur et c'est le moment où jamais Yom Kippour. En fait, vous savez que quand quelqu'un vit dans une journée, la nuit, quand il s'endort, sa neshama va être jugée par HaKadosh Baruch Hu. Le Rahim HaKadosh, dans Parshat Veyechi, il explique que c'est pour ça qu'un homme, il a tout intérêt à faire teshuvah le jour même. Pourquoi? Parce que quand il va s'endormir, sa neshama va monter là-haut, et on va entériner que ce jour-là, il a fait cette faute. S'il fait teshuvah avant, alors on peut rattraper cette faute par la teshuvah avant qu'il s'endorme. Maintenant, quelqu'un m'a posé la question, il m'a dit, mais si quelqu'un fait teshuvah, et puis après, il fait une avera, il fait teshuvah, et il refait la même avera. Est-ce que la première teshuvah a disparu ou non? Alors j'allais m'empresser de dire, mais évidemment que la première teshuvah, elle est disparue, parce que c'est la même personne. C'est comme si quelqu'un, à Yom Kippour, on efface les fautes, et à la sortie de Kippour, il va en boîte de nuit. Alors, est-ce que ça compte sur le Yom Kippour de l'année d'avant, ou ça compte sur le Yom Kippour de l'année d'après? Parce que lui, il est sorti nickel de Yom Kippour. Et maintenant, il fait une belle avera. Oui, très belle avera, 60, 90, 60. Donc maintenant, il va être puni pour cette avera. Quand? L'année prochaine, à Kippour? Il va être jugé ou non? On dit, mais attends, tu rigoles ou quoi? Tu viens d'embrouiller le bon Dieu, soi-disant, t'as fait tes chouvins, et maintenant, Raoult, tu continues à fauter. Donc c'est la suite de cette année-là ou non? J'allais m'empresser de répondre cette réponse, et Hachem, il a été gentil avec moi, il m'a évité de diffuser une information qui est fausse, surtout de la Torah, c'est important. Je me suis rappelé d'un autre commentaire qui disait différent. Il disait qu'en fait, chaque jour, c'est une séquence. Et le jour où j'ai fait Teshuva, ce jour-là, il est réparé. Maintenant, si le lendemain, j'ai fait une autre bêtise, ou le lendemain, j'étais bien pendant 3 mois, et après, j'ai refait une bêtise, c'est une autre séquence. Maintenant, cette séquence-là, ce que dans la Kabbalah, on appelle un Itzout, c'est une étincelle. Cette étincelle-là, elle a été réparée. Maintenant, cette étincelle-là, elle n'a pas été réparée. Mais je ne perds pas les avantages de ce que j'ai créé ou j'ai réparé par le fait que moi je me suis conduit différemment. Ça veut dire que c'est une seule personne mais avec des milliers de séquences et chaque jour c'est une séquence différente. Maintenant moi maintenant je vois quelqu'un en face de moi et je me sens solidaire parce que ça me fait de la peine de voir un juif qui faute. D'accord? Alors maintenant c'est quelqu'un qui faute. Alors toujours quand on voit la mauvaise volonté de quelqu'un, que ce soit un mari, un enfant, un beau-père ou une belle-mère, oui, on doit toujours la poser la question, est-ce que la personne, elle ne veut pas ou est-ce que la personne, elle ne peut pas? Vous me suivez ou non? Les gens, ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas la santé mentale, ils n'ont pas été préparés, ils n'ont pas été construits, ils ne peuvent pas. Ce n'est pas la peine d'insister et d'attendre. L'autre jour, j'étais au Péreux, une femme de 60 ans, je ne sais pas, elle vient me voir en pleurant, elle me dit, ah, mais Chétrit, j'en peux plus. 37 ans de mariage, aucune midote, les insultes, les gros mots, des violences, et maintenant il est retourné chez sa mère. Qu'est-ce que je dois faire? Je lui dis, madame, vous vous êtes épuisée, appuisée dans un puits épuisé. Il y a des gens comme ça. Ils ne savent pas donner, ils ne savent pas changer. Donc ou tu dis, je vais l'aimer comme il est, ou tu dis,
Donc il l'avait appliqué lui-même. Non, la dame a dit va chez ta mère. Donc c'est bien, on est sur la même longueur d'onde. Mais c'est quoi l'idée? Alors maintenant, quelle différence maintenant? Maintenant, moi j'ai une réalité devant moi. Et s'il faut le prendre dans le même esprit, d'accord? J'ai une réalité devant moi, un mari qui est récalcitrant, ou une femme qui est têtue. Ou quelle différence? C'est ton mari, c'est ton frère, c'est ta sœur, c'est un juif, il est là. Maintenant, toi, tu te sens obligé, tu te sens de faire quelque chose, tu sens que tu peux faire quelque chose. C'est pas facile. Alors tu dis maintenant, je vais rentrer dans la vie de quelqu'un, je vais faire quelque chose, qu'est-ce que je vais faire? J'ai le droit d'intervenir, j'ai pas le droit d'intervenir? Oui, peut-être on pourrait dire non, on pourrait dire écoute, il a un cerveau, il n'est pas un demeuré, eh bien il fait ce qu'il a à faire. Pourquoi est-ce que moi je vais le faire? Alors toujours on donne cet exemple comme un bateau. Il y a un bateau, on est tous dans le même bateau, puis chacun a loué une cabine. Alors maintenant il y en a un, il a pris une cabine très très bas dans le bateau parce qu'il n'avait pas de quoi payer, et il a envie de pêcher. Il ne veut pas payer le menu à 100 euros par jour, il fait un trou dans la cabine, il pêche. Donc le bateau il commence à pencher. Donc les gens vont le voir, ils disent, t'es en train de couler le bateau. Il dit, c'est ma cabine. J'ai payé ma cabine. Je paye ma cabine, je utilise ma cabine. Tu dis, mais papa, tu n'es pas seul dans le bateau. C'est tout le bateau. Maintenant, est-ce que nous, on est capable d'accepter qu'en vérité, on est tous séparés. Vous avez votre vie, chacun il a sa vie. Mais au niveau des Neshamot, on est tous liés. C'est insupportable. Après, il y a des sous-groupes de Neshamot. C'est-à-dire qu'il y a une Neshama, elle va influencer celle-là plutôt que celle-là, consciemment, inconsciemment. Oui, je ne sais pas. Il y a un rave, il s'installe dans un endroit, d'un seul coup, les gens ils se réveillent. Tiens, je vais manger kasher. Je ne sais pas d'où ça vient. De l'autre côté même, là-bas, ce Bahro-là, il étudie ici à la Yeshiva. Et de l'autre côté, là-bas, en Chine populaire, un type, il échappe au meurtre. Pourquoi? C'est son sroute à celui-là. Parce qu'en fait, ils ont la même Shoresh à Neshama. Ils ont la même racine de Neshama. Et des fois, ça peut être pour tout Israël. Quand il y avait les scuds qui étaient en train de tomber sur Israël, alors maintenant tous les juifs du monde, ils sont en train de prier. C'est pour ça que ça passait à la radio, à la télé. C'est pour que le din de Harevout, il s'applique. Maintenant, pourquoi on voudrait attendre que ça s'applique dans les catastrophes? Pourquoi on ne voudrait pas intervenir avant la catastrophe? C'est ça la Tochacha. Oui? Parce que les trois quarts des gens, il faut savoir, qui se disent non-croyants ou athées, en fait, c'est souvent des ignorants. Moi, combien de fois des gens ils me disent « Ah, oh, vous m'avez réconcilié avec la Torah ». Et là, ils me disent « Vous m'avez réconcilié avec la Torah que j'ai appris à l'école ». C'est déjà plus grave, c'est-à-dire qu'il a fait 20 ans d'école, mais il n'était pas encore réconcilié avec la Torah. Après, il y a des gens qui vont dire « J'ai été choqué, j'ai été écœuré, j'ai eu des malaises ». Bon, c'est normal. Mais là, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait. C'est la même Torah. C'est la même. Bon, c'est des fois, elle est plus présentée plus sympathique, des fois plus intelligente. Des fois, il faut la dépoussiérer. Vous savez, une commode Louis XVI, elle coûte 700 000 euros. Mais elle est pleine de poussière. Donc toi, tu croyais que c'était un truc de Conforama. On dépoussière. Oui, Salatochacha, ça veut dire qu'on va donner à quelqu'un un nouveau regard. Et tac, il se passe quelque chose. Et je vois dans les yeux des gens. Après, maintenant, il faut avoir le tact, il faut sortir de la finesse, mais surtout, il faut savoir. Il faut savoir au fond, pourquoi tu as ouvert la bouche. Vous savez, à l'intérieur de nous, on a Yetzera, Yetzeratov. Un bon penchant, un mauvais penchant. Des fois, le Yetzeratov, il s'habille sans kippa. Des fois, le Yetzera, il s'habille avec une kippa. Je ne sais pas si vous me suivez. Des fois, tu dis, non, mais moi, c'est pour t'aider que je t'ai tué. C'est pour t'éduquer que je t'ai fracassé. Donc là, tu prends un marteau en or, c'est marqué dessus Torah, et tu fracasses le voisin. Les Shem Shamaim. Mais si vraiment tu travailles pour le bon Dieu et que tu veux lui ramener un autre dans son club, comment ça se fait que tu l'as dégoûté pour 20 ans? Une fois, j'ai fait une conférence dans une ville de province. Il est venu chez moi. Il me dit, monsieur le rabbin, je vous dis la vérité. Avec le cours, j'ai décidé de retourner à la synagogue. Je dis, pourquoi retourner? Il m'a dit, ça fait 25 ans que j'y vais plus. Je dis, pourquoi? Il m'a dit, parce qu'on revenait d'Algérie. On ne connaissait pas, nous, le Shabbat, pas Shabbat. Parce que là où on vivait dans un village, il y avait le Hérouv. On ne savait pas. On a toujours porté. Et le premier jour, je vais à la synagogue, je viens avec mon talit et je rentre à la synagogue. Le shamash, il m'attrape. Racha, Nevela, qu'est-ce que tu fais ici? Tu viens avec ton talit? Où tu te crois? Allez, dégage! Il m'a tellement fait l'archouma, ça fait 25 ans, je n'ai pas été à la synagogue. Et je dis, maintenant, je vais retourner à la synagogue, j'ai écouté le cours sur Shabbat, je vais retourner à la synagogue. Moi, un mois après, je rencontre quelqu'un, il m'a dit, moi, monsieur le rabbin, j'étais shamash dans une synagogue pendant 35 ans. Eh bien, je peux vous dire que quand il y en a un qui arrive avec son talit. Je ne l'ai rien dit, c'était vieux le pauvre. J'ai dit, bon, au moins qu'il ait une mort en douceur, si après il doit commencer les chaleurs. Ouais. Je dis, le Guéhinam qu'on lui a préparé à celui-là, je ne sais pas s'il y aura assez de micro-ondes là-haut. Ouais.
Maintenant, il est convaincu qu'il a fait une mitzvah. C'est fort. Il est convaincu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas analysé l'impulsion première. Qu'est-ce qui te pousse à? Pourquoi tu veux parler maintenant? Il faut être capable, n'importe quel niveau. Hein, tu dois être capable. Regardez, moi, je viens par exemple pour faire un cours. Le plus important pour moi, ce n'est pas les éléments que je vais vous transmettre, c'est pourquoi je suis venu. Je suis venu pour qu'à la fin, chacun d'entre nous comprenne que c'est la Torah. Mais si le but n'est pas clair, tu peux venir pour frimer, tu peux venir pour décliner des références, tu peux venir pour te faire connaître, tu peux faire du marketing, du commerce. Il y a plein de choses à faire dans la Torah. Mais si tu veux transmettre un message, il faut que tu sois convaincu du message. C'est pareil, vous allez parler à votre fils, vous dites « qu'est-ce que je veux ?» Et vous verrez qu'en fonction des moyens que vous allez utiliser pour le faire, ça va confirmer que vous êtes venu pour le bien. Parce que si vous utilisez les mauvaises manières, ça prouve que vous êtes venu pour le mal. Mais il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Ça va ? Il y a un point qui est assez important, hein, dans une petite anecdote. Très souvent, malheureusement, moi, je suis à Bnei Brak. Avec le temps, j'ai commencé à étudier la Torah il y a une bonne dizaine d'années, Baruch Hashem. C'est à cause du Rav Yechia, enfin, ou grâce à lui, c'est comme vous voulez. Voilà, Baruch Hashem. Je suis très fier d'ailleurs. Ouais. Baruch Hashem. Donc, on n'a pas le même vêtement, mais. Ouais, il est beau, hein. Moi, le mien, il est à l'intérieur, c'est un truc spécial. Baruch Hashem. C'est l'essentiel à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on voit? Il y a une expression en hébreu. Une expression en hébreu qui est très connue chez les Israéliens. On dit qu'une kippa, ça coûte un shekel. Et qu'une barbe, c'est gratuit. Alors, au début, quand j'ai voulu laisser pousser la barbe, je me suis dit, attends, c'est vrai que c'est gratuit, mais il faut assurer. Je ne peux pas me laisser pousser la barbe, mettre une kippa et pas étudier la Torah. Donc au début, j'allais au cours du Rav Ben Chitrit. Après, j'ai voulu étudier dans le texte. Alors, j'habitais à Sarcelles, il y avait le Rav Brandt. Après, j'ai voulu pousser un peu plus loin. J'ai voulu aller étudier dans les Shivot. On m'a dit, écoute, t'es gentil, mais ici, c'est peut-être mieux pour toi en Israël. Je suis arrivé en Israël. Au début, je suis arrivé à Natania. Puis bon, Natania, c'est bien. Mais on m'a dit, bon, tu sais, Natania, pour étudier la Torah, c'est très très bien. Baruch Hashem, il y a beaucoup de Shiurim. Mais si tu veux pousser un peu plus loin, il faut vraiment pousser un peu plus loin. Ma femme a eu la Rasra. On est parti habiter à Bnei Brak. Vous connaissez ce mot en anglais, Rasra ? L'angoisse. Donc on est parti habiter à Bnei Brak. Elle était très angoissée à l'époque. Aujourd'hui, essayer de la faire bouger de Bnei Brak, même pas en rêve. Baruch Hashem. Bnei Brak, c'est une ville qui fait très peur aux gens. Comme Mea Shearim, ce sont des endroits qui font peur aux gens. Mais quand on va là-bas, et qu'on ne reste pas dans la rue, mais qu'on rentre dans les Batei Midrash, dans les Yeshivot, dans les synagogues, on voit de quoi on parle là-bas. Ça devient très très intéressant, c'est des endroits dont on n'a pas trop envie de bouger. Toute la beauté de la Torah, hein, c'est que toutes les réponses sont dans la Torah. Quand j'ai commencé à étudier, mon but, il n'était pas très joli. Je dis, moi je veux être comme le Rav Yechia, je veux être le nouveau Rav Yechia Ben Chitrit. Eh ouais, c'était peut-être les Shem Kavod, hein. Le Rav, il était connu, je me suis dit, moi aussi je vais être connu, tout le monde va vouloir m'écouter, c'est bien. Après je me suis dit, bon, le Rav Yechia, il s'occupe de Shalom Bayit. Bien, je m'occupe de Shalom Bayit. On m'a dit, écoute, Shalom Bayit, t'es gentil, il y a des halakhot à connaître, etc. Il faut étudier les halakhot. J'ai commencé à passer les diplômes les uns après les autres, Baruch Hashem, ce qui explique le vêtement aujourd'hui. Le vêtement, il est un peu long, Baruch Hashem. On rapporte comme ça qu'il y a énormément de points qui sont extrêmement importants dans la Torah, et que le Chacham, comme le Rav, par exemple, le Rav Ben Chitrit, qui est en France, donc lui, il ne peut pas se balader en long, c'est bien pour se protéger, d'accord, de s'habiller en long. Il y a beaucoup de Inyanim, Alpikabala, etc., pour les Chachamim qui s'habillent en long. Maintenant, on voit comme ça. On voit que par rapport à ce que nous a rapporté le Rav ici, tout ce qu'a dit le Rav Yechia ici, il y a un verset dans Michelet. Il y a plein de versets dans Michelet. Je pourrais vous noyer dans les versets, j'en ai noté plein. Il y en a Baruch Hashem. Les références dans la Gemara, il y en a une bonne centaine. C'est très fatigant si je dois vous tous les énumérer, on peut passer une heure. Mais attends, qu'est-ce qu'on voit? On voit comme ça. On nous dit comme ça, on dit « Alto chachletz, ne fais pas de reproche à un moqueur. Pen insnaecha, de peur qu'il te déteste. Ochach lechacham, fais des reproches à celui qui est intelligent, ochacham. Veyaevka, il t'aimera. » On ne comprend pas. Depuis tout à l'heure, on dit qu'il faut faire des reproches à l'autre pour qu'il fasse teshuva. Si le monsieur, c'est un Talmid Racham, est-ce qu'on a besoin de lui faire des reproches?
D'autant plus qu'il y a une Gemara qui nous rapporte que si on voit un Talmid Chacham qui faute, il faut avoir beaucoup de kav zechout pour lui, c'est-à-dire le juger avec beaucoup d'humilité et beaucoup de miséricorde. Pour quelle raison? Parce qu'il est clair que la nuit passée, d'ici le lendemain matin, ce Talmid Chacham-là, il aura fait teshuva. C'est ce que nous rapporte. Maintenant, il y a un point qui est extrêmement important, que beaucoup, beaucoup de rabbinim et de commentateurs nous rapportent, c'est que lorsque Dieu a créé Adam Arishon, toutes les neshamot du Ham Israël étaient comprises dans Adam Arishon. Et qu'aujourd'hui, un homme, il peut rester entre quatre murs, en train de dire, attends, moi, tout va bien pour moi. Je m'en fiche du voisin. Je m'en fiche de mon prochain. Le problème, c'est que la Géoula, elle arrivera que si on fait tous teshuva, que si on se remet tous en question. À un tel point que dans la Gemara, on nous dit jusqu'à quel point tu peux faire un reproche à ton prochain. On dit, est-ce que tu peux lui faire honte? On dit, écoute, si son visage il change de couleur alors que tu lui fais un reproche réellement pour qu'il fasse teshuva, oui, tu pourras lui faire le reproche. Étonnant. On n'a pas le droit de faire honte à son prochain en public, normalement. Ça, c'est un. Après, on nous rapporte, mais jusqu'à quel point? Jusqu'à que tu l'énerves à un tel point qu'il a envie de te frapper, qu'il a envie de te maudire, qu'il a envie de t'insulter. Fais le reproche si tu es sûr qu'il fera teshuva. Étonnant. Pour quelle raison? En faisant le reproche à son prochain, en faisant ce reproche-là, on lui fait faire teshuva. C'est la remise en question, il va faire teshuva, il va se remettre en question. Quand je suis rentré dans les cours du Rav Yechia, je me souviens à Montmartre le mardi soir avec des copains, on voulait aller au restaurant avant, on voulait sortir après. On se dit, Derer, viens, on va écouter le Rav. J'écoutais ses cours, il m'énervait. Je disais après, mais moi je ne peux pas sortir avec vous après. Ça y est, je l'ai écouté lui, je ne peux pas. Il m'énervait. Et pourquoi? Parce que quand on va écouter le Chacham et qu'on écoute ses reproches, et ces reproches sont faits de la façon dont la Torah nous enseigne, c'est-à-dire Darkea Darke Noam, Bechol Nitivotea Shalom, ces chemins sont des chemins agréables, et tous ces sentiers sont des sentiers de plénitude. Pourquoi je traduis plénitude? Parce que Shalom, c'est un des noms d'Akadosh Baruch Hu qui veut dire Shlemut. Lorsqu'on fait un reproche à son prochain, il faut arriver à lui faire le reproche pour qu'il se remette en question. Ça, c'est à la base. Ça doit se faire de façon agréable. Et si ça ne peut pas passer, et que ça passe ou ça casse, parfois, il faudra faire en sorte que, effectivement, malheureusement, ça passe, mais ça doit passer. Aux yeux de l'autre, à qui on fera des reproches, ça risque de casser, effectivement. Mais si on est sûr qu'il fera teshuva, donc si on est sûr de soi au niveau de son cheshbon nefesh, quand on a fait le compte avec soi-même au niveau de son âme, pour savoir pour quelle raison je lui fais le reproche à l'autre, et si oui, ça va le remettre en question, et de quelle façon ça va le remettre en question, alors oui, ça fonctionne. Pourquoi je parle des cours du Rav Rechem Bitschrit? Quand j'allais voir les cours du Rav Rechem Bitschrit, qu'est-ce qui m'énervait? C'est que moi, j'écoutais le Rav, et que j'allais chercher les références. Je me dis, mais d'où il a trouvé ça? Et quand j'allais chercher les références, je trouvais les références. Quand j'allais voir le Rav, je lui posais des questions, il me dit, écoute, baba, t'es gentil. Il y a cette Mishnah-là, il y a cette Mara-là, il y a ce Shulchan Aruch, etc., etc. Et quand on voit que quand c'est fait de cette façon-là, Baruch Hashem, ça peut qu'encourager son prochain à faire teshuva. C'est-à-dire clairement, que vous le sachiez bien, si je n'étais pas rentré dans les cours du Rav Yechiel Ben Chitrit, je ne serais pas aujourd'hui à côté de lui. Attends, j'exagère, mais c'est vrai. C'est toi le Kéli à la base. Amenez du cirage. Hein? Non, je ne fais pas trop. Fais pas l'oraison funèbre de quelqu'un. De non, Chazé Shalom. Non, attends, c'est pas ce que je suis en train de faire. De toute façon, je te fais pas tout. On n'a pas le droit devant un homme de lui faire tous les compliments et de dire tout ce qu'on pense de bien de lui. Donc, je suis pas en train de dire tout ce que je pense de bien de lui. Je pense aussi du pendant mal de lui. 10 ans après, quand il a étudié, je l'ai pas poussé. Hein. Il a ouvert tout seul les Guémarotes, les Choukranaros. Ça, il a fait tout ça. Il a pas eu besoin. Bah, au Hachem. C'est bien. Donc, non, on voit comme ça. C'est très important. Il y a un point qui a été relevé par le Ravi Shai par rapport aux lettres. C'est vrai que c'est difficile de transmettre un message à quelqu'un qui se moque. Mais il faut savoir que celui qui se moque, c'est quelqu'un en fait qui se protège. C'est quelqu'un de faible. C'est comme le coléreux, celui qui crie. Pourquoi il fait une carapace? Vous voyez, comme c'est quoi l'orgueil? L'orgueil, c'est la force des nuls. La colère, c'est quoi? C'est la carapace des faibles. Donc en fait, on sait que la personne qui est derrière, en fait, elle est faible.
Alors, je ne vais pas me servir du fait que j'ai compris que l'autre, il est faible. Mais je sais qu'il est faible. C'est comme si quelqu'un dit, oui, vous ne vous rendez pas compte les mots qu'il me dit quand il est en colère. D'accord. Mais c'est comme si quelqu'un est en pleine crise d'épilepsie et il dit des gros mots. Alors, tu dis, tu vas t'énerver. Mais non, tu dis, il n'est pas bien, il dit n'importe quoi. Ce n'est pas lui qui parle. Ben, c'est de la même manière. Quand je veux aider l'autre, je n'aide pas la personne qui est devant moi. J'aide la personne qui est à l'intérieur de cette personne-là. Parce que je sais que fondamentalement, c'est un bon juif. Oui, il y a des gens, vous les voyez comme ça, « Mechalel Shabbat, laisse-moi tranquille, il mange du cochon. » Tu vas lui dire, écoute, j'ai une veuve qui a besoin de 30 000 euros pour soigner un enfant, il sort le chéquier tout de suite. Pourtant l'autre, il met les tefillines tous les jours, il fait daf ayomi, tu lui dis, je t'en prie, prête-moi 100 euros. Tu dis, c'est difficile en ce moment, c'est plus que le maaser. Alors tu ne sais plus. Ouais. Donc la personne, tu ne peux pas la juger par rapport à ce que tu vois. Et je t'ai dit, le let's. Lui-même, en vérité, il joue la savonnette parce qu'il veut laisser glisser les choses, parce qu'il a peur de la remise en cause. Donc, qu'est-ce que tu fais, toi ? Toi, tu parles à l'intérieur de la personne. Tu ne parles pas à l'extérieur de la personne. Tu parles à l'intérieur de la personne. Et le message, il doit venir de l'intérieur pour arriver à l'intérieur. C'est ça qu'on dit, Dvarim ayotsi minalev, nirnasiv l'élève. Les choses qui sortent du cœur, elles rentrent dans le cœur. Après, de savoir jusqu'à quel point ça va lui faire honte, ou ça va le mettre mal à l'aise, ou la conviction que tu as que c'est pour faire tes chouvas, c'est pour ça qu'il dit que quelqu'un, en fin de compte, Ochiach Tochiach et Amitecha. Tu vas faire la Tochacha de quelqu'un qui est de ton peuple, quelqu'un qui est proche de toi, quelqu'un que tu aimes. C'est-à-dire que si tu n'aimes pas quelqu'un, ne lui fais pas la Tochacha. C'est impossible. Parce que tu sais que ce qui va sortir, ça va être imprégné d'une Ramma que tu contiens. Et la Ramma n'a jamais provoqué le bien. Comme je l'ai dit tout à l'heure en deux mots, quelqu'un il tue avec des bonnes intentions. Autant c'est difficile de faire cette mitzvah, autant c'est facile d'éviter de faire pire. Parce que tu vois, tu veux faire mieux, en fin de compte, tu as fait pire. Donc tu analyses le sentiment qui est à l'intérieur, pourquoi je vais parler, après tu l'imprègnes, c'est un Ben Israël, c'est une Neshama, c'est un diamant, c'est... Moi, combien de fois des gens, on leur dit, mais vous êtes ma fille, vous êtes ma sœur, comment vous... On ne peut pas continuer comme ça. L'autre, elle est troublée. Oui, elle dit, comment il me parle, mais d'où on se connaît? Mais on ne peut pas. Parce que Akadosh Baruch Hu, mais avec Zivugim, Hachem, il crée des couples. Donc les choses que tu vois, qui apparaissent devant toi, ce n'est pas par hasard. Je vous l'ai dit au cours dernier, il y a trois lectures. Il y a celui qui dit « je vois ce que je vois ». Vous vous rappelez de ça ou non? Il y en a qui se rappellent. Bon. « Je vois ce que je vois ». Il y en a qui disent « je vois ce que je veux voir ». Il y en a qui disent « je vois ce que je dois voir ». C'est ce qui apparaît devant toi. Les scientifiques, ils disent ben, « je vois ce que je vois hein. ». Il faut être réaliste, enfin, « je vois ce que je vois ». D'accord. Les psychologues, ils disent non, je vois ce que je veux voir. Dans ta tête, tu as formulé une image mentale et tu la projettes, c'est ça que tu veux voir. Les croyants, ils disent, je vois ce que je dois voir. Le bon Dieu, il m'a montré ce que je dois voir. Maintenant, toi, tu vois ça. Maintenant, quand tu vois quelque chose, ça veut dire que c'est une proposition. La proposition, elle peut être du Yetzeratov ou du Yetzerarap. Soit c'est le Yetzeratov qui te propose d'aider une Neshama à grandir, soit c'est le Yetzerarap qui te donne l'occasion de faire une Avera de Bizayon. Maintenant, étant donné que la personne est en situation de fragilité parce qu'elle est en train de faire une grosse lourdeur, et que toi tu arrives avec tes gros sabots, il faut y aller avec la précision de la chirurgie plastique. Adapter le message à la personne qui est devant toi, selon son âge, selon ses capacités mentales, selon sa sensibilité. Il ne faut jamais utiliser un moustique pour tuer un missile pour tuer un moustique. C'est Shabbat après-midi. Il y a un moustique, vous n'arrivez pas à dormir. Il se pose. Tu dis, celui-là, je ne vais pas le rater. Tu as toujours un missile sol-sol sur toi. Tu vises bien, comme ça, sans faire de bruit. Tu appuies. Bon, c'est un truc avec Hersher, c'est fait au Ternion, c'est un truc cachère pour Shabbat. Tu appuies, le missile y part. Effectivement, le moustique a disparu. Le problème, c'est que la moitié du quartier aussi. Ça va? Donc, tu as un petit problème avec ton fils. Tu lui exploses la tête. Mais il a 8 ans et demi. L'autre, il a 79 ans. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Vous savez, les vieux, on ne peut pas leur expliquer. Ils ne comprennent plus. On peut leur donner des nouvelles habitudes. Si tu leur dis, voilà, c'est marqué comme ça, c'est marqué comme ça. Alors quoi, tu veux nous apprendre? Mais qui tu es, toi? On mangeait les oursins à Alger avec le rabbin. C'est compliqué. Ouais. Mais moi, à Tunis, c'est le rabbin qui me présentait mes copines. Oh là. Un mec t'es sans fumée avec le chamache tous les samedis après-midi. Oh là, comment tu vas faire pour l'expliquer à celui-là? Alors qu'est-ce que tu fais? Tu changes des habitudes. Tu sais, c'est bien de, après Shabbat, de faire l'Avdala. Tu sais quoi, je vais le faire moi, après la semaine prochaine, c'est toi qui le fais. Ah bon, tu crois? Après, c'est lui qui va dire à sa femme. Alors où est la bougie? Tu n'as rien dit.
C'est compris ou non? Celui-là, il peut prendre des nouvelles habitudes. Celui-là, tu veux faire une très très grande torah à quelqu'un qui n'est pas Shomer Shabbat. Tu sais comment tu fais? Tu l'invites Shabbat. Tu sais ça, Shabbat? C'est une torah. Encore une fois, c'est pas torah maintenant pour crier, pour s'énerver. Non, torah c'est mal vécu quand on parle de la réprimande. On parle de faire passer un message. Maintenant, tu es un bon communicant ou tu es un mauvais communicant? Alors la base de la communication, c'est que tu connais ton public, tu sais à qui tu t'adresses. Tu vois des gens, on croit que moi je parle de la même manière devant des avrechim et devant des gens des limites réformistes de la rue de Hababa à Paris. C'est pas pareil, c'est pas le même langage, c'est pas le même exemple, c'est normal. Mais les sodotes, c'est les mêmes. Donc ça veut dire quoi? Comme un médicament, le médicament, il est amer. Quand vous prenez un cachet, vous savez que 90% c'est du sucre. Pourquoi? Non, le médicament lui-même, il a un effet. Mais en vérité, on l'a noyé dans du sucre. Pourquoi? Parce que sinon, les gens ne le prendront pas. Donc si tu as 20% de médicaments et 80% de sucre, donc quand tu veux faire un passé, pourquoi? Parce que le médicament, il est amer, bien qu'il est bon pour toi. Donc quand tu veux faire passer un message à quelqu'un, il faut 80% de sucre et 20% de message. Mais si toi tu dis, non mais moi je veux dire la vérité, je ne fais que les 20%, ça ne passera jamais. Maintenant, si tu as décidé d'utiliser a priori la mauvaise manière, c'est que tu voulais que ça ne marche pas. Après, tu dis, mais je ne fais que dire la vérité, de toute façon, c'est l'alaha. Alors, je lui dis la logique. Il dit, le Rav Olbe, il dit un emet chez Enomat im zekim at sheker. Une vérité qui n'est pas adaptée, c'est presque un mensonge. Par exemple, là, vous êtes là. D'accord? Il y a des gens qui sont plus religieux, il y a des gens qui sont moins religieux. D'accord? Alors je vais vous dire une halakha qui est marquée. Hein. Si quelqu'un le matin ne fait pas les tiyat yadayim en se levant au pied du lit, il hayav mita, il doit mourir. Demain matin, il y aura beaucoup de morts. Oui, et c'est marqué. Hein. C'est marqué. Après, si vous regardez le Mishnah Berurah, il dit en vérité, c'est marqué. Mais en vérité, ça s'adresse à un Talmid Chacham. Parce qu'un Talmid Chacham, lui, il doit rester le moins de temps possible avec l'impureté. Donc dès le pied du lit, il doit se laver les mains pour enlever cette impureté. Donc en fait, c'est halakha, elle est adaptée à un Talmid Chacham. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas Torato ou Manuto, ou alors qui arrive, ça lui arrive de faire plus de 2 mètres sans répondre à une question de Rabbi Akiba Iger, c'est-à-dire à peu près les 3/4 d'entre nous, oui. Alors il y a des halakhot qui peut aller jusqu'au lavabo, il y en a qui disent même dans la même maison, qui peut aller jusqu'à la cuisine, pour faire des tilat. Alors je comprends pas, tu me dis d'un côté, tu me dis il est hayav mita, d'un autre côté il a le droit. Alors c'est quoi cet alaha pour lui, cet alaha pour lui? C'est pas la même personne. Même quand vous appelez un dayan, si c'est un dayan intelligent, oui, selon la question, selon les mots que vous employez, il va vous poser certaines questions, il va dire madame, vous avez un kisui roche, madame, il va vous dire des mots en hébreu pour voir, et s'il voit que vous êtes éloigné, il va pas vous dire la même alaha que si vous êtes une personne qui est haredite, c'est normal. Tu dis, mais alors je comprends pas, alors la halakha n'est pas la même pour tout le monde. Et ça s'appelle la tochacha. C'est une vraie tochacha. Et le Rav est au courant, parce que lui, justement, il est Dayan, donc il a l'occasion de répondre aux questions. Et c'est très très important d'avoir cette finesse-là. Et ça s'appelle pas qu'il a changé la Torah, pas du tout. Pas du tout. Comme un enfant qui a 10 jours, pourquoi vous lui donnez pas un steak de 700 grammes? Si peu, ça nourrit, hein, c'est plein de calories. Hein. C'est pas adapté. Voilà, vous avez compris la réponse. Moi j'ai une petite anecdote. Très souvent, les gens ils viennent me voir pour des problèmes de Shalom Bayit. Et j'ai reçu de mon grand-père, on m'a appelé en son nom, Zichrono Livracha, Rabbi Haïm Ishaï, mon grand-père. Il nous a toujours appris Dat Mushmakla. La religion, c'est pas la nourriture. Ah ouais, je parle un peu grave. Tu dis en anglais? Hein? Dat Mushmekla. Ah, Mushmekla. Ouais. Ouais. Bon, voilà. Donc, il disait, la religion, c'est pas de la nourriture. Bon. Alors, moi, des fois, j'ai un problème. Il y a des hommes qui viennent me voir, ils me disent, ah, tu sais quoi, c'est Shabbat. Je sais pas ce qu'elle m'a fait à manger ma femme, mais j'ai un gros problème avec elle. Parce qu'il y a des chachamim, ils ont étudié dans la Gemara que si une femme, elle rate son plat, ou s'il est cramé, etc., ou si elle n'a pas d'odorat, il peut la divorcer, etc., parce qu'elle va cramer ses plats. Ma femme, elle cuisine pas bien, et qu'est-ce qu'elle m'a fait à manger? Dans le frigo, qu'est-ce qu'elle m'a fait? Elle m'a pas fait mon couscous boulette, et à cause de ça, moi, j'étais malade. Ok, d'accord. Et les gens, ils viennent me voir, posent la question. Je dis, donc, toi, t'as beaucoup de reproches à faire à ta femme. Il me dit, effectivement. Je dis, bon,
On peut parler avec ta femme ? Il me dit, bien sûr. Ça se passe dans la majeure partie des cas. Ça peut vous faire rire, mais c'est vrai. Hein. Je demande à la dame, je dis, mais ton mari, il dit que c'est pas bon, c'est pas bien, ça lui fait mal au ventre, il est pas bien, Motsé Shabbat, il est dérangé, dimanche, il a du mal pour aller travailler, parce qu'en Israël, on travaille le dimanche. Pour la majeure partie des gens. Et... combien d'assiettes il s'est servi pendant les repas ? Deux, trois ? Donc, je regarde le mari, je lui dis, écoute, c'est peut-être pas la nourriture le problème, c'est peut-être combien tu as mangé. C'est pas ce que tu as mangé, c'est combien tu as mangé. Donc, avoir la faculté d'analyse du problème. Ça, c'est un autre problème. Hein. Ce qui veut dire qu'avant de s'amuser à faire des reproches à son prochain, il faut bien comprendre, est-ce que oui ou non, j'ai la faculté d'analyser mon prochain et son problème comme il faut par rapport à la situation. Les Dananim ont fait les choses un peu plus finement. Donc pas une dame, à une dame, si elle a un kissou roche, on va lui dire, où est-ce qu'il prie votre mari ? C'est qui votre rave ? Dans quelle école étudient les enfants, s'il y a des enfants ? Et avec ces quelques réponses, on connaît le niveau de la personne. Par rapport à ça, on sait quelle réponse il faut apporter. C'est encore plus fin, parce que dire à une femme, tu portes le kissou roche, tout de suite elle a l'angoisse, elle dit, ah, le barbu, il veut me faire porter le kissou roche. Ça, c'est une réaction naturelle, hein. Au départ, quand on n'a pas l'habitude de se couvrir la tête. Après, dès qu'on prend l'habitude de se couvrir la tête, ça devient très dur de la découvrir, la tête. Parce qu'on découvre quelque chose d'extraordinaire à travers le kissou roche pour la femme. Comme le rapport Rabbi Meir dans le Zohar, qu'une femme intelligente, c'est grave hein, ce que je suis en train de dire, hein. Ça veut dire que les autres, elles ne sont pas intelligentes. Bon, alors une femme intelligente, pour protéger son foyer, se couvre la tête. Pour quelle raison ? On va rapporter une petite raison qui est sympathique. Je sais, Birchut Harav. Elle est sympa, la raison. La raison, elle est très sympa. La raison est qu'il y a une sainteté qui descend sur la femme. Une telle sainteté que cette sainteté va résider sur sa tête. Qu'est-ce qu'il y a sur une tête d'une femme ? Je ne connais pas beaucoup de femmes chauves, hein, à moins qu'elles aient un gros problème. Il y a ses cheveux. On dit pour préserver cette sainteté, pour que cette sainteté, cette kedusha, cette shrina, lui vienne et lui donne de bons conseils, pour que son mari soit un talmid racham, pour que les enfants soient des talmid rachamim, des sages de la Torah, ben c'est bien qu'elle se couvre la tête. Je vais rapporter une histoire véridique. J'étais à Otsara Torah, j'avais un ami qui s'est marié, qui a divorcé. Otsara Torah, il n'était pas très religieux. Ses parents faisaient les marchés à Sarcelles, comme mes parents. Et la mère de cet ami est arrivée à Bnei Brak, dans le magasin de ma mère. Je suis un peu de pub pour la famille en même temps. Bon, c'est bien. Elle vend des vêtements pour femmes. Très, très bien. Le problème qu'il y a, c'est qu'elle ne vend pas trop de vêtements aujourd'hui. Le Rafraim Kenievski envoie toutes les jeunes filles du séminaire Wolf. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Il y a 4000 élèves. Quand elles ont du mal dans leur chidouchim pour se marier, on les envoie chez ma mère. C'est-à-dire, je ne fais pas de pub pour une maman ou une baba, hein. Au nom du Rafraim Kanievski, vous allez voir cette dame qui parle un hébreu un peu tranché, parce qu'elle a fait son allié il n'y a pas très longtemps, ma mère, et vous allez la voir et vous achetez un kissou roche chez elle. Ma mère a fait une bracha, elle dit, si tu prends sur toi le kissou roche, si tu prends sur toi de te couvrir la tête avec un foulard, Bezrat Hashem, dans le mois, tu vas te marier. Ça fait déjà 200 bachourotes qui sont venues la voir, elles sont toutes mariées dans le mois. C'est chaud, hein. Ouvrir une agence. Attends, t'as vu ? Bon, mon père, il est pas très content parce que ma mère, elle s'est un peu emballée, elle offre le kissou roche. Elle dit, pour que la mise à la marche, elle offre le kissou roche. Bah, au Hachem, on se débrouille dans la famille, donc il n'y a pas de problème d'argent. Donc, maintenant, par rapport à ça, attendez, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit ? On voit quoi ? On voit que, en réalité, le fait de prendre sur soi une mitzvah, ça aide énormément. Maintenant, de faire la mitzvah pour la récompense, ça aide dans un premier temps, mais ce n'est pas le but. Pourquoi ? On l'a vu dans la paracha de la semaine dernière, dans la paracha Vaera, où là-bas, Kadosh Baruch Hu, il parle à Moshe, il se présente à lui sous le nom d'Elohim et de Adonai, Yudke Vavke.
Et là-bas, il se dévoile à lui. Elohim, tout le monde sait, c'est connu. C'est Midat Hadin, c'est la rigueur divine. Et Yudke Vavke, c'est la miséricorde divine. Pour quelle raison? À la fin de la paracha précédente, avant Vaera, Moshe Rabbeinu demande à Kadosh Baruch Hu, pourquoi t'as fait du mal à ce peuple? Kadosh Baruch Hu, il dit, attends, mais moi, je suis le Dieu de rigueur et de miséricorde. Je ne retiens pas le salaire de la moindre créature. Réponse d'Akadosh Baruch Hu que rapporte le Midrash. Si les Bnei Israël ont été réduits en esclavage, révise ton histoire, revois le début de Shemot. Yaakov Avinu, il est arrivé en Égypte, mais Yosef, il était déjà en Égypte. Comment il est arrivé là-bas? Ses frères ont voulu le tuer. Ses frères l'ont vendu en esclavage. Il y a eu la sinatrinam entre les Bnei Israël. Pour réparer cette mauvaise mida de sinatrinam, de haine gratuite, Akadosh Baruch Hu a dû réduire les Bnei Israël en esclavage et envoyer la famine en Israël pour que Yaakov soit obligé de descendre en Égypte. Pour réparer les Bnei Israël, parce que quand on est dans la tourmente, il n'y a plus de problème de sionistes religieux, de haredi, de pas religieux, de Yom Hatzmaout, pas Yom Hatzmaout, il n'y a plus ces problèmes-là. On a fait l'expérience, première, deuxième guerre du Golfe, la guerre, première guerre du Liban, deuxième guerre du Liban. J'ai vu moi à Bnei Brak, tous les non-religieux dans la périphérie de Bnei Brak, qui débarquent dans la synagogue, qui demandent à mettre les tefilines, avec leurs boucles d'oreilles, ils ont 10 boucles d'oreilles par oreille, avec des piercings dans le nez, avec des coupes de punk, et tout le monde prie ensemble. Et il n'y a personne pour le dire à celui-là, mais comment tu viens en short avec tous tes piercings dans la tête? Personne ne lui dit ça. On est tous ensemble en train de prier. Quand il y a les guerres, on voit tous les Haredim de toute Provence sur les champs de bataille qui vont distribuer des boissons, de la nourriture, des livres de prière, des tzitziot, des tefilines aux soldats. Et à ce moment-là, les soldats, il n'y en a pas un seul qui leur dit « Mais qu'est-ce que vous nous voulez les religieux? Nous, on ne veut pas faire teshuva. » Ils sont tous en train de faire teshuva. Si vous voyez bien les photos de toutes les guerres, on voit nos beaux soldats, Baruch HaShem, que Dieu nous les protège. Ils sont tous en train de mettre les talits, les tefilines, ils font des prières. Qu'est-ce qui se passe? Quand on est dans la tourmente, quand on est dans le besoin, ça, il n'y a plus de problème. D'un seul coup, on n'est qu'un seul peuple. Mais après, quand tout va bien, quand le forex se porte bien, quand l'immobilier va bien, quand au niveau de l'argent, tout va bien, bah, tout va bien. On ne se remet pas en question. Donc on a une première guerre mondiale, une deuxième guerre mondiale, des menaces de guerre tous les jours en Israël. Un coup les Irakiens, les Iraniens, les Syriens, qui vous voulez. Il se passe le flambeau de savoir qui va menacer le Ham Israël, chacun à son tour. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous les envoie? Pour qu'on se remette en question et qu'on n'ait plus le problème de Sinatrinam, qu'on arrête ces bêtises de la couleur de ta kippa, ton jean, pas ton jean, t'es habillé en noir, en bleu, en jaune. C'est pas important. Ce qui est important, c'est la façon d'appliquer la Torah. Ce qui est important, c'est la façon d'expliquer à l'autre comment appliquer la Torah, comment se renforcer pour approcher ce monde de la Géoula. C'est ça le véritable problème. C'est ça le véritable obstacle à la Tochacha. C'est est-ce que, un, je suis disposé à aimer mon prochain comme moi-même, va'avta l'erecha kamocha, et ça va même plus loin que ça, je prends encore quelques minutes, chila, hein. On voit comme ça, hein. On voit que les deux psukim, comme l'a dit le Rav au début, les deux psukim qui sont juste avant et après le pasouk en question, c'est dans la paracha. Dans la paracha Kedoshim, on sait bien, on pose une question. Il y a deux parachotes qui suivent, Acharemot et Kedoshim. Le Zohar rapporte. Vous savez pourquoi ces deux parachotes se suivent? Acharemot, Kedoshim Tiou. Après sa mort, n'importe quel juif, il a appelé aux yeux de Dieu Kadosh. Un rave, il doit aller faire le Hesped pour un juif. Et c'est un voleur, et un menteur, et un escroc, tout ce que vous voulez. On se dit, attends, mais le espèce, c'est tu fais une oraison funèbre. Tu dois parler des bonnes actions qu'a fait la personne. Qu'est-ce que tu peux dire? Acharemot kedushim tiou, comme Rabbi Meir Baalanes a fait faire teshuva à son maître après sa mort. Il a commencé à lui parler avant sa mort. Mais en réalité, Rabbi Elisha Bar Avuya, celui qui a appelé Acher, a fait teshuva au Gehinom, dans les enfers, dans les antres des enfers. On fait acharemot kedushim tiou dans l'espoir que ce juif fasse teshuva, même après sa mort, il peut faire teshuva. Et que ses proches autour de lui fassent teshuva. Car n'importe quel juif, aux yeux de Dieu, il a appelé Kadosh. À tel point que dans la Gemara, on nous rapporte que Kadosh Baruch Hu, chaque nuit, il pleure sur chaque juif.
qui n'étudient pas la Torah comme il faut, qui n'appliquent pas les mitzvot comme il faut. Et on ne parle pas forcément des juifs qui sont loin. On parle aussi de ceux qui étudient Torah ou mitzvot, mais qui ne font pas comme il faut. Dans Michelin, on nous rapporte que le Chacham, il aime les Tochachot. Et que le Racha, il n'aime pas les Tochachot. Il ne veut pas aller écouter le Chacham. Il est bien comme il est. Il faut arriver à lui donner l'envie de venir écouter. En sachant lui parler. En sachant le rapprocher. On est tous dans le même bateau. Comme il a dit le Rav, si je décide de faire un trou dans ma cabine, c'est tout le bateau qui coule. Quand je vois un juif qui est loin, le Rav Char, Zecher Tzadik Livracha, tous les matins, il ne pouvait pas faire la mitzvah de Patshachrit, que c'est une mitzvah, le matin, qui protège de 86 maladies intestinales, selon la Gemara, à l'époque, aujourd'hui il y en a beaucoup plus des maladies intestinales. C'est une mitzvah, quand on mange le pain le matin au petit déjeuner après sa tfila, ça, c'est une grande mitzvah qui protège la personne de toutes les maladies intestinales. Le Rav Char, il ne pouvait pas faire cette mitzvah. On dit, mais qu'est-ce que tu as, Rav Char? Pourquoi tu ne peux pas faire cette mitzvah? Quand je pense à tous ces enfants du Ham Israël à travers le monde, qui n'ont pas cette chance d'aller le matin à l'école pour étudier la Torah, qui vont pour aller étudier d'autres matières. Bon d'accord, il faut apprendre un métier, la Torah le dit. Dans Maseret Kedushim, un père, il a l'obligation d'enseigner la Torah et d'enseigner un métier à son fils, pour qu'il soit Yerusha Maïm et qu'il ne soit pas un voleur. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est quoi? C'est que si on ne lui enseigne pas la Torah, le Rav Char, il pouvait prêt à avaler le matin. Il dit, je ne peux pas avaler. Vous savez de quoi il est mort, le Rav Char? Maladie intestinale. On lui a mis une sonde à la fin de sa vie. Il a pleuré comme un bébé en disant, on m'a enlevé le mérite de pouvoir dire chaque jour, chez Akol Nia Butvaro, que tout a été créé par la parole de Dieu. C'était le malheur de Rav Char à la fin de ses jours. Il s'est sacrifié parce qu'il savait que toute la Torah qu'il étudiait, que toute la Torah qu'il enseignait à Bnei Brak n'était pas suffisante. Son grand ami, le Rabbi de Lubavitch, on sait que les deux s'aimaient beaucoup, et que nous, on ne peut pas parler, on ne peut pas rentrer entre deux montagnes s'ils avaient des différends entre eux. Lui, c'est pour la même raison qu'il a envoyé ses élèves à travers le monde pour faire teshuva au Ham Israël. Les deux avaient le même problème. Ils avaient une façon de le régler, de façon différente, comme Beth Shammai et Beth Hillel. De parler des rabbanim, on ne peut pas. Mais de se remettre en question, on le doit. De remettre son prochain en question, on le doit. Dans un premier temps, pour le mari, sa femme. La femme, son mari. Les parents, les enfants. Et ainsi de suite. Chacun par rapport à son vieux système. Bezrat Hashem. Donc ça, c'est... On voit les obstacles. On a essayé de vous expliquer ici les différents obstacles qu'on peut rencontrer pour faire des tochachot. Maintenant, je pense que on a expliqué en partie les solutions, même comment dépasser les obstacles. Bezrat Hashem, ça passe par l'amour de son prochain. On voit dans les versets. Dans le verset, on nous dit Lotisnet achicha belvavecha, tu ne détesteras pas ton prochain dans ton cœur. C'est une mitzvah différente de la suivante, qui est Ochar tochiach et amitecha velotisna alav chet. D'accord? Tu dois faire un reproche à ton prochain. Et on voit que dans le pasouk, juste après, on dit Lotikom velotitor. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le Midrash nous rapporte pourquoi on dit Amitecha et pas Re'echa. Pourquoi on dit ton peuple et pas ton prochain? Parce que l'autre, quand il n'est pas en train de faire Torah ou Mitzvot comme il faut, il n'est plus appelé ton frère. À ce moment-là, il est appelé aux yeux de Dieu, dans sa mauvaise action à ce niveau-là, dans son petit espace, Racha. Ce qui veut dire que même moi, Dayan, lorsque j'applique pas la Torah comme il faut à un niveau ou à un autre, à ce moment-là précis, aux yeux de Dieu, je suis appelé Racha. Et si j'ai personne autour de moi pour me rappeler à l'ordre, je suis mal. Et c'est ça le but, Bezrat Hashem. Et c'est pour ça qu'on dit Ve'ahavta le'ra'echa kamocha. Pourquoi tu fais reproche à l'autre? Pour qu'il redevienne ton frère, ton prochain. Pour qu'on soit tous ensemble. On raconte une fois qu'un rave en Amérique, il est en train de faire une Racha. Et il y avait un vieux monsieur qui était assis au premier rang. Alors, une personne vraiment âgée, de plus de 80 ans. Et le rave, il est en train, il commence à parler. Il dit, tiens, et pour illustrer le Dvar Torah, je vais vous raconter une histoire. Alors il dit, voilà, qu'un jour, le Chafetz Chaim, dans sa yeshiva à Radin, il avait beaucoup de talmidim. Il avait un jeune qui arrivait, de 13-14 ans, comme ça. Et puis, ce bachot, il n'était pas très très clair dans sa tête encore. Il avait des problèmes de Yetzerara. Et qu'est-ce qu'il a fait? Malheureusement, il a fumé le Shabbat. Il a fumé en cachette, il a fumé et il s'est fait attraper.
Alors ils l'ont attrapé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont amené au Rav. Et le Rav, c'était le Rav de Rosh Yeshiva, c'était le Rav Etzraïm. Quand ils l'ont amené au Rav Etzraïm, il a dit, maintenant tu vas avoir rendez-vous avec le Rav. Donc déjà l'enfant, il a 14 ans, il était en train de trembler comme un malade. Il croyait qu'il allait mourir. Il était devant la porte comme ça, en train de trembler et tout ça. Et ils l'ont fait rentrer chez le Rav. Il croyait le Rav, il va le crier, il va le maudire, il va l'insulter. Il va, comment tu m'as amené la Touma dans la Yeshiva? Et comment tu m'as pourri avec ta Avera? Et qu'est-ce que le bon Dieu va me dire? Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a attrapé la main. Il pleurait, le Rav Etzraïm. Et en pleurant, il disait Shabbat. C'est tout. Shabbos, 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 Shabbos. Il n'a rien dit. Pendant une demi-heure, il a dit Shabbat, 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 Shabbat. Maintenant, le Rav en Amérique, il est en train de raconter cette histoire. Et le petit vieux devant, il s'évanouit. Il arrête le cours, il appelle des gens, il le ranime et tout ça, il lui dit, mais monsieur, ça va pas et tout ça, qu'est-ce qui vous arrive et tout. Il a dit, le petit garçon dont vous parlez, c'était moi. Il a dit, maintenant, j'ai 80 ans, ça fait 70 ans l'histoire, et maintenant je sens encore les larmes du Rav Etzraïm qui coulent sur mes mains, et me brûlent. Mais c'est exactement l'exemple qui montre qu'est-ce que c'est la Torah. Parce que le Rav Etzraïm n'a rien dit. Il n'a rien dit. Il a dit Shabbat. Comprenez ou non? Il n'a rien dit. Il a pleuré, il a ressenti très très fortement la chose, et les larmes, elles ont fait leur travail. Alors vous sachez que l'autre, vous en faites pas qu'il est devenu Shomer Shabbat. Maintenant, moi j'ai connu un élève du Rav Etzraïm, le Rav Frankin Zichron Livracha, et lui, il avait un phénomène incroyable. C'était quelqu'un qui avait une azout comme ça, une puissance, une force incroyable. Et plusieurs copains à moi que je connais, ils ont fait teshuva dans des circonstances un petit peu spéciales. Vous savez, nous, on essayait d'être sympathiques, d'être charmeurs, d'être racham, d'être intelligents, d'être fins. Mais je connais des gens, ils étaient par exemple dans un club de vacances. Un copain, moi, il m'a raconté, il était dans un club de vacances, et il y avait son frère avec lui. Et son frère, il est avraire, mais son frère, il n'était pas ni chômeur Shabbat, ni rien du tout. Alors, mon copain, il va voir le Frankin, il lui dit, Rav, voilà, je voulais demander une bracha, et tout ça. Bon, il lui explique, une fois, il pose une chéla. Et après, le Rav Frankin, il dit, c'est qui celui-là? Il dit, c'est mon frère. Ah. Il est marié? Il dit, oui. Il fait Shabbat? Il dit, non. Il fait Nida? Non. Ah. Dis-lui qui vient. L'autre, il vient. L'autre, il est complètement à côté de la plaque. Il ne connaît rien. Il ne sait même pas que le rabbin, il dit, oui, oui. Il dit, ah, c'est bien les vacances, vous êtes content ici? Oui, c'est un hôtel à la montagne. Vous êtes content? Il dit, oui. Ça se passe bien pour vous? Oui, oui, oui. Vous êtes marié? Oui, oui. Ah, d'accord. Et votre femme, elle est là? Elle est là, oui. Vous faites Nida? Il a dit non, non, non. Ah, vous faites pas Nida? Non, c'est vrai? Ah bon? Il lui met une derba. Attention, hein. Alors, Frankin, il avait une pêche. Attention, la claque. Hein. Maintenant, moi, personnellement, franchement, hein, moi, je me vois pas en train de mettre des baffes aux gens pour qu'ils fassent les chouvas. Hein. Oui, non, non. J'en connais plein qui l'a mis des claques qu'on fait tes chouvas. Ouais. Bon, mais des claques, mais pas physiques. Mais. Non, des gens, ils m'ont dit, j'aurais préféré que tu me mettes des coups de poing que ce que tu m'as dit, parce que ça m'a fracassé. Mais bon, mais c'est quoi l'idée? C'est que, pourquoi on n'y est pas? Parce qu'on dit, mais tu te rends compte, le type, mais il va dire, mais ils sont malades, le mec, mais de quoi il se mêle? En plus, il me frappe. Déjà, il m'explique, il me remet en cause, il me traite d'imbécile, maintenant, il me frappe. Mais non, les gens, non seulement, pourquoi? Si ton grand-père, il te met une baffe, tu vas le prendre mal. Mais comment est devenu le grand-père en une seconde? Il y a 2 secondes, il ne le connaît pas. Il prend une darba, il se met à trembler. Il dit au Rav, oh oui, je vais prendre les lachotes et tout ça. Pourquoi? Parce qu'il est tellement, lui, il est sûr, Rav Frankin, il est tellement sûr de sa lacha, il est tellement sûr de son amour de l'autre, mais ce n'est pas une baffe qu'il lui a mis, c'est une caresse. Mais comme il n'est pas le temps de lui faire 28 conférences, il lui a fait un concentré. C'est du MP3 de Torah. Ouais. Même peut-être un jour, il dira, tu sais, cette joue, elle a reçu une baffe de Rav Frankin, tu sais. Ouais, touchez-la, elle est bénie, ouais. Mais c'est quoi l'idée? C'est fort, c'est fort. C'est que quelqu'un, en fin de compte, la tochacha, elle se fait d'une manière que tu n'attends pas du tout. Mais après, selon le degré d'amour que la personne elle va mettre, et selon le degré de finesse de la personne qui écoute, alors elle va faire son effet. Moi, pour vous dire, moi, une des tochachot les plus grandes que j'ai prises dans ma vie, elle s'est faite tout en douceur. Je vous l'avais raconté, l'histoire du chapeau, non? Vous avez oublié? Personne ne suit. Vous êtes là tous les cours. Vous vous rappelez l'histoire du chapeau? Allez, Shiva. Non? Oh, je deviens gaga. Bon, écoutez bien cette histoire. Elle est incroyable. Je venais d'arriver à la Yeshiva. Ça faisait pas longtemps.
D'accord? Moi, je ne savais pas qu'il fallait mettre un chapeau pendant la prière. Moi, je disais, moi, j'ai une kippa, ça suffit. Même aujourd'hui, il y a beaucoup qui n'ont pas compris qu'il faut mettre un chapeau. Bon, petit à petit, si Dieu veut, ils vont faire tes chouas. Donc, j'étais à l'Eshiva, et donc j'avais mon chapeau, et je mets les téfilines. Alors, je rappelle pour les gens qui mettent vraiment les téfilines, pas pour les spéléologues, que les téfilines, il ne faut pas les mettre ici. Il faut les mettre ici. Les spéléologues, ils les mettent ici. Ils cherchent. Ils font de la recherche comme ça pendant la prière pour trouver la lumière. Les téfilines, il faut les mettre ici. Le problème, parce qu'il ne faut jamais que ça dépasse la racine des cheveux. Si ça dépasse de 1 mm, tu rates la mitzvah. Donc, il faut mettre les téfilines en haut. Maintenant, quand les téfilines sont bien hauts, ouais, quand tu mets le chapeau, il tombe le chapeau. Alors moi, j'entends, ils sont au mizmorim, mais je mets mes téfilines et je mets le chapeau, il tombe. Et je mets le chapeau, il tombe. Et je mets le chapeau, il tombe. Comment je vais faire? À la fin, je dis, je ne mets pas le chapeau. Je rentre à la tefila, le ravi maître. Il est fois à Kova. Où il est le chapeau? Je dis, écoutez, Rav, je mets le chapeau, il tombe. Alors je ne l'ai pas mis. C'est ce qu'il m'a dit. Jusqu'à aujourd'hui, hein, je sens l'arma qui. Jusqu'à aujourd'hui, hein, il m'a dit, eh ben baisse la tête. Vous avez compris ou non? C'est vrai que quand tu baisses la tête, le chapeau, il ne tombe pas. Ça va? Mais ce n'est pas ça le message. Le message, c'est même à la synagogue, même devant Dieu, tu ne baisses pas la tête. Alors quand est-ce que tu vas baisser la tête? Adam Leha. Vous avez compris ou non? C'est une très grande tochacha. Mais il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu de cri, il n'y a pas eu de nerfs, il n'y a pas eu des psoukim, il n'y a pas eu des coups de chalumeau. Rien du tout. Il n'a rien dit. Il a dit Shabbat. C'est fini, c'est terminé, c'est clair. Mais ça, c'est valable seulement si l'intensité à l'intérieur, elle est très, 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 très forte. Très forte. Vous voyez? C'est vraiment, 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 vraiment. Tu as éliminé toutes les traces de haine, de rama. Et des fois, c'est très fin. Vous voyez? C'est très, très fin. Toutes les traces de négation, toutes les traces que tu ne veux pas construire. Il faut bien, bien le faire. Attention, parce que je vous dis, des fois, le yetzerara, il s'insinue. Vous voyez? Et c'est une proportion, et c'est une amertume, et c'est une ramma que tu mets, sans t'en rendre compte. Mais la Torah, elle sait très bien qu'il n'y aura pas de résultat. Et toi, tu le sais très bien qu'il n'y a pas de résultat. Combien de fois des gens m'ont dit, écoutez, moi, monsieur le rabbin, je comprends pas. Ça fait des années que je répète à ma femme, je dis, bah, peut-être que ce n'est pas la bonne manière. La preuve, c'est que ça ne marche pas. Des fois, c'est comme ça. Des fois, par allusion. Des fois, il faut faire entendre par quelqu'un. Des fois, il faut... Moi, j'ai fait passer quelques millions de messages à ma femme, au Hachem, parce qu'elle a une bonne communication. Des fois, elle revenait d'un coup, elle me disait, « Ah, Iria, le Rav, tu sais ce qu'il a dit? Il a dit ça et ça. » Moi, je la regarde comme ça. Elle me dit, oh, « Je sais que ça fait 10 ans que tu me le répètes. » Je dis, « Mais moi, je ne suis pas du tout gêné que ça vienne d'ailleurs. Ce qui compte, c'est que ça soit dans ta tête maintenant. Je ne suis pas obligé d'être le postier, moi, ça ne me dérange pas. Ce qui compte, c'est que ça arrive. Ben, » c'est exactement pareil. Oui. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux que tes enfants ils aient compris ou tu veux que ça passe par toi? Moi, je vous dis entre nous, hein. Je peux dire, Laura, je peux dire. Des fois, les gens, ils me posent des questions. Moi, je réponds aux questions. Tu sais, je suis très poli. Moi, depuis que je suis petit, ma mère, elle m'a dit, tu réponds. Moi, je réponds. Mais des fois, je me tape des rammas, je dis, je vais m'étouffer, c'est difficile. Alors, j'ai dit au bon Dieu, attention, j'ai pris cette énergie-là pour répondre à la question. Alors, si mes enfants, un jour, ils ont ce genre de questions, eh ben, je voudrais bien que tu envoies quelqu'un pour qu'ils répondent à leurs questions. Hachem, il fait ça. T'as compris ou non? Mais il faut se le dire. Il faut se dire, moi, aujourd'hui, je vais le faire. Maintenant, j'ai très peur parce qu'en ce moment, je dois répondre à des cas très, très graves, très, très lourds de souffrance. Alors, j'ai dit, j'espère qu'Hachem Ishmor, on n'aura pas besoin. Pour le prendre de l'autre côté aussi, on peut dire que l'effort que j'ai fourni pour être sensible, pour répondre à la question, c'est aussi une capara que je n'ai pas besoin de le vivre parce que de toute façon, je l'aurais vécu pour pouvoir grandir de ça. Alors maintenant, j'ai grandi parce que j'ai répondu. Encore la semaine dernière. Ce Shabbat, il me dit, vous comprenez, je me suis engueulé avec ma femme parce que la petite, elle voulait partir à une bat mitzvah et c'est pas religieux. Je dis, mais ta fille, elle est dans un séminaire? Elle m'a dit, non, ta femme, elle a la tête couverte, non. Je dis, vous allez à la plage? Il m'a dit, oui. Je suis sûr qu'ils sont en train de saouler ta fille avec un problème de truc, mais alors que toi-même, tu es à côté de la plaque. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois adapter. Tu dois faire passer. Maintenant, c'est ça l'éducation. C'est ça l'éducation. Mais des fois, il y a l'éducation de dire ce qu'il faut faire et des fois l'éducation de dire ce qu'il ne faut pas faire. Mais ce qu'il ne faut pas faire, ça dérange. On avait parlé de ça avec le Rabbi Jaoui la dernière fois, vous vous rappelez ou non? Qu'aujourd'hui, les parents, ils ne savent pas dire non. Ils ne savent pas mettre l'enfant en situation de « Eh ben, c'est pas grave, c'est comme ça, t'as tort. » Eh ben, des fois, c'est bien et des fois, c'est pas bien. Et c'est difficile. Mais ça fait partie de l'éducation. Ben, c'est ça la Torah. La Torah, c'est d'éduquer. Quand ça ne fait pas plaisir. Mais tu dois quand même le faire. Alors débrouille-toi pour que le message y passe. Oui, même vous, quand vous installez un logiciel dans l'ordinateur, vous ne le faites pas à coup de marteau. Hein.
Oui. Mais vous pourriez le faire. Vous mettez le CD sur le disque dur et vous tapez comme ça. Ça ne rentre pas. Vous le mettez gentiment dans la fente. Vous attendez qu'il tourne. Vous attendez que le disque soit reconnu. Après, lui-même, il est dans un programme d'installation et vous l'installez. Mais c'est pareil. Tu dis un message à ton fils. Sur le moment, il ne réagit pas. Après, deux semaines après, tu vois qu'il y a quelque chose qui a changé. Oui, et les choses, elles se mettent en place. Je vais vous dire pire, des fois, à un certain âge, les enfants, il faut se dire, c'est des ordinateurs et j'installe des logiciels. T'as compris ou non? Peut-être qu'il les utilisera plus tard. Mais si toi, tu veux qu'il te dise, écoute, j'ai bien compris ton message, papa, et avec maturité et sens et compréhension, je vais m'investir et devenir le gun de Vilna. C'est là que tu dis à ta femme, bon, pense-moi parce qu'il faut que je me réveille. C'est normal, ça peut arriver à tout le monde. On voit que savoir faire un reproche à son prochain, c'est pas évident. Alors on va aborder la question sous un angle légal, halakhique. On voit comme ça. Hein. On voit dans le Rosh Mishpat, Siman Yud Bet Amud Alef, à la fin du Siman. Ou alors dans le Yoreh Deah, Siman Shin Lamed Dalet, là-bas on parle du Nidouille et du Kherem, c'est-à-dire sur qui mettre un anathème et comment mettre un anathème sur une personne, comment sortir une personne d'une Kehila ou la mettre en garde, l'avertir, mettre sur son magasin ou dans la ville, placarder des affiches pour que la personne fasse teshuva. C'est le but, hein. Le but, c'est pas de détruire le concurrent pour garder ses parts de marché. Ça n'existe pas, ça. Malheureusement, des fois, les gens, ils ont du mal à comprendre ces choses-là. Le but, c'est pas de faire le reproche à l'autre pour lui montrer qu'on est mieux que lui, pour montrer qui a le dessus, que ma famille, elle est mieux que la tienne, que moi, je gagne mieux ma vie, que mes diplômes, ils sont mieux que les tiens, que je suis plus intelligent que toi, c'est moi qui ai le dessus, c'est moi le leader, toi, tu dois suivre. C'est pas ça, le but. Qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte, déjà, dans le foyer, un shalom bayit extraordinaire. Pour bien comprendre, le shalom bayit parfait n'existe pas. Le shalom bayit, il est obligé de passer par des concessions, par des disputes et par des différends. Maintenant, il faut savoir trouver les solutions qu'on appelle concessions aux disputes et aux différends. Et savoir y mettre la forme. Ce qu'on appelle savoir les ochriars. Je donne un exemple. Quand est-ce que je veux faire une tochacha à quelqu'un? Vous allez comprendre que c'est un peu compliqué. Il y a une marloquette parmi les poskim. On me rapporte comme ça. Tochacha, je peux faire. Reproche, je peux faire à une personne si elle n'applique pas la Torah comme il faut. Quand il s'agit d'une interdiction de la Torah, dévoilée, connue dans la Torah. Il y a, par exemple, dans les Menachot, et dans toutes les misvot assez velota assez, il y a les avot, les misvot d'origine qui sont écrits noir sur blanc dans la Torah, et il y a les toldot. Il y a toutes les réminiscences et toutes les conséquences de ces lois qui sont aussi des interdictions de la Torah. D'accord? Si quelqu'un, maintenant il y a une marloquette dans les poskim, et ça devient intéressant parce que vous allez voir où est-ce qu'on va arriver après. Quelqu'un, dans la Torah, c'est pas marqué qu'on n'a pas le droit d'éponger. C'est pas marqué clairement. D'accord? C'est marqué qu'on n'a pas le droit de travailler le klaf, de travailler la peau de la bête. Et par rapport à ça, il y a une tolda qui s'appelle Srita. Extraordinaire. Maintenant, si la personne, selon cette marloquette, selon ce débat, est en train d'éponger, prendre une éponge, il éponge durant Shabbat à la synagogue devant tout le monde, est-ce que je peux lui faire le reproche ou pas? Selon cette marloquette, non, je ne peux pas lui faire le reproche. Ça, c'est un. Donc déjà, il faut bien que je réfléchisse avant de faire le reproche. Alpi alakha. Autre marloquette qui vient s'ajouter à cette problématique. On nous rapporte que par rapport au matzav, à la situation de la génération, qu'on nous rapporte qu'on doit faire la guerre à Amalek, les Dor Vador, de génération en génération, on dit Altikra les Dor Vador, et là les Darder. Ne dit pas de génération en génération, mais en réalité il y a une malédiction sur le Ham Israël et sur l'humanité en entière, que de génération en génération, on va virer à une certaine déchéance, que notre réflexion sera de plus en plus difficile, qu'on aura de plus en plus de mal à voir la lumière au bout du tunnel.
Donc, de ce fait, s'il y a ce qu'on appelle Darderet Adoroth, la déchéance des générations, d'accord, ou la dégénérescence des générations, c'est un peu plus compliqué à dire, mais ça fait bien, ça fait intelligent quand je le dis, ça fait quoi? Ça fait en fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici que même une interdiction rabbinique connue, on devra faire la tochacha à la personne. C'est-à-dire, j'ai une marloquette, j'ai un débat dans les interdictions de la Torah qui sont beaucoup plus graves si on les transgresse que les interdictions rabbiniques. Et après, on me rapporte un autre point dans les poskim. Non, même une interdiction rabbinique connue, d'accord, que la personne va transgresser, par exemple, manger du poulet avec du lait, c'est une interdiction rabbinique, c'est pas une interdiction de la Torah. La Torah interdit la viande carnière, donc la viande de bovin, la viande rouge, pas la viande de volaille. Chachamim m'ont dit, non, même la viande de volaille, on interdira. Si on voit quelqu'un qui mange de la viande de volaille avec du lait, selon cette marloquette-là, là aussi, il faudra lui faire la hochacha. Il faudra lui faire le reproche, parce que s'il commence à transgresser cette interdiction, a fortiori, il finira par transgresser l'interdiction de manger la viande rouge avec le lait. Moi, je vois très souvent des gens, quand ils commencent à faire teshuvah, qui me disent, mais en réalité, le poulet avec le lait, je peux manger. Il n'y a pas de problème. Mais non, tu ne peux pas manger. Qu'est-ce qui t'arrive? Quand tu transgresses une interdiction de la Torah, tu transgresses trois interdictions. Quand on transgresse une interdiction rabbinique, on transgresse trois interdictions de la Torah. D'accord? Il faut comprendre ce qui est en train de se passer. En fait, on est mevatel, on n'écoute pas deux mitzvot assez de la Torah et une mitzvah lota assez de la Torah. Donc c'est quelque chose de très très grave. On transgresse trois interdictions de la Torah. À la fin, qu'est-ce qu'on nous dit? Vu la situation de la génération, interdiction rabbinique connue, reconnue, mettant en danger les interdictions de la Torah, on fera la hochacha à son prochain. On lui fera le reproche. C'est-à-dire rabbinique. C'est-à-dire, si sur une interdiction rabbinique, je dois faire le reproche, a fortiori sur une interdiction de la Torah, expliquée clairement dans la Torah, explicite dans la Torah ou non, il faudra faire le reproche, même en public. La différence est que sur l'interdiction rabbinique, pour faire le reproche en public, il faudra attendre que la personne transgresse l'interdiction trois fois, alors que l'interdiction de la Torah, dès la première fois, on lui fait l'interdiction. Pourquoi? Pour ne pas faire honte à la Torah et pour que la personne fasse teshuva. Donc ça, c'est les éléments. Pardon? Même si ce n'est pas explicite. C'est ce qui sort les maasés aujourd'hui. Selon les poskim de la génération aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on voit par rapport à ce qu'on est en train d'expliquer? Par rapport à ce qu'on est en train d'expliquer, on voit qu'en réalité, ce n'est pas simple d'avoir toutes les connaissances pour faire le reproche à son prochain. Maintenant, ça c'est le reproche au niveau de la halakha. Après, il y a le chemin qu'on doit prendre dans la maison sur l'éducation des enfants, le shalom bayit, etc. Comment se mettre d'accord? Quand nous, on sait faire la tochacha à son prochain, quand on sait faire le reproche et mettre les formes qu'il faut, on réussit au niveau de son foyer. Mieux que ça. On nous rapporte qu'il vaut mieux, dans Michelet, un reproche dévoilé qu'un amour caché. Pour quelle raison? Moi, j'aime mon prochain, mais je ne lui dis pas que je l'aime. C'est bien que je l'aime déjà. Pourquoi je lui fais un reproche dévoilé? On dirait de lui faire le reproche de façon dévoilée, ça prouve que tu l'aimes encore plus. Parce que tu lui fais ce reproche pour lui, pour son bien, pas pour toi. C'est-à-dire, ce n'est pas le but de dire uniquement, on n'est qu'un seul peuple, et celui-là qui ne fait pas comme il faut, il me met moi dans la galère, donc je suis obligé de lui faire le reproche. Ce n'est pas que ça. Ma réussite à moi, c'est quand l'autre se remet en question pour lui. Dans la Maseret Brachot, on dit qu'un juif qui fait teshuva rapproche ce monde de la Géoula. Bon, écoutez, moi j'ai un problème avec ça. Cette Gemara-là, quand on est Baal Teshuvah et qu'on l'étudie, les gens se disent, moi je fais Teshuvah, Mashiach il vient, c'est peut-être moi Mashiach. Premièrement, Mashiach ne peut pas être un Baal Teshuvah, c'est clair dans les poskim. Maintenant, deuxièmement, un point qui est extrêmement important, de quelle Géoula on est en train de parler? La Gemara nous dit, on s'agit d'une Géoula personnelle. Tu te libères toi du joug matériel de ce monde et tu comprends en réalité la liberté que tu as dans ce monde, en prenant sur toi quelque chose de dingue, le joug spirituel.
Donc moi, je me libère du monde matériel en prenant sur moi le joug spirituel. Quand je prends sur moi ce joug spirituel, je me rapproche de la Géoula. Donc en réalité, qu'est-ce qu'on recherche à travers le reproche qu'on fait à son prochain ? J'espère que je ne suis pas trop compliqué. Le reproche qu'on fait à son prochain, à ce que lui-même se rapproche de sa libération personnelle. Et c'est le but en soi. Il s'agit d'une communauté qui s'appelle Toldot Aharon, qui sont affiliés à une chita qu'on appelle les Neturei Karta. Dans les années 80, il y a eu un kherem de tous les Gdolei Israël, donc un anathème sur la communauté des Neturei Karta par tous les grands d'Israël dans le monde orthodoxe. D'accord ? Et toutes les photos, et toutes les images, et tous les films qu'on vous a montrés, vous pouvez dès ce soir aller sur Google. Vous allez sur google.com, d'accord, pour les Google. Vous allez sur YouTube hein, et compagnie. Vous allez voir tous ces trucs-là, et vous allez voir. C'est la même rue, c'est le même panneau. Et on dit que la petite fille, elle s'est faite cracher au visage durant les vacances de Hanouka quand elle était en vacances scolaires. Attends, de quoi on est en train de nous parler ? On parle d'un monsieur qui a un problème psychiatrique, d'une personne âgée qui a un problème psychiatrique. Les rabbanim, on a vérifié. Le monsieur, il a un problème psychiatrique. La petite fille, elle est passée une fois, elle s'est faite cracher une fois au visage, elle a été morte de peur, traumatisée. Je la comprends. C'est très grave. Maintenant, de venir et de dire tous les orthodoxes, y compris ceux qui vont à l'armée, qui ne veulent pas écouter les chorales de l'armée, parce que c'est ce que vous a dit la presse ici en Israël, hein. Aujourd'hui, quand la presse vous a présenté le problème, on vous a parlé des bus à Bnei Brak où les hommes et les femmes voyagent séparément et qu'il y a beaucoup de mamans qui se plaignent aux médias. Hein. Une femme qui n'a pas les cheveux couverts correctement, qui a un décolleté pas possible, qui dit représenter toutes les femmes religieuses d'Israël. Une ancienne Neturei Karta qui a viré dans Mishmeret Hatzair et qui est partie en Inde et qui a fait Teshuva il y a quelque temps, mais à sa version à elle, sa Torah à elle, sa version à elle, et que c'est une personne, c'est une réformiste, quand elle est passée à la télévision. Cette personne-là vous dit, j'ai plein de femmes religieuses à Bnei Brak qui se plaignent de ne pas pouvoir voyager à côté de leur mari. Faux, archi faux. J'habite à Bnei Brak, je prends ma femme, mes enfants à côté de moi dans le bus, quand je prends le bus. Vous savez ce qu'on a eu, nous, à Bnei Brak ? On a eu une journaliste qui est venue, qui a filmé le bus. On voulait la laisser monter. Elle a dit, pourquoi vous ne laissez pas monter dans le bus ? On l'a regardé tous, on dit, mais elle est folle, monte dans le bus. Pourquoi vous ne laissez pas monter dans le bus ? Pourquoi vous ne voulez pas ? Parce que je ne suis pas religieuse ? Pas du tout, monte dans le bus. Vous voulez que je m'asseye à l'arrière ? Mais assis-toi où tu veux, monte dans le bus. Monte dans le bus ! Qu'est-ce qu'elle cherchait à faire ? Ne soyez pas d'accord. Alors... Alors, mais laissez-moi terminer. Combien ? Quel monsieur ? Qui ? Combien de personnes ? Combien ? Et à la fin, vous êtes assis derrière ? Non, parce que moi, j'ai fait comme si je comprenais pas les mots. Très bien. Et vous êtes passé à l'arrière à la fin ? Bon, mais à la fin. Bon, Hachem, et on vous a pas fait passer à l'arrière, mais attendez. Moi, j'explique comment le problème a été présenté. Le problème, attendez. Le problème, c'est le suivant, parce qu'on dit les reproches. Premièrement, tous les Gdolei Israël sont sortis contre le comportement qu'il y a eu vis-à-vis de la petite fille. Tous les Gdolei Israël, tous les grands Me'artim, le Rav Amnon Nitzrak, le Rav Zamir Cohen, le Rav Reuven Elbaz, tout le monde a condamné Had Mashmaï, d'une seule voix, le comportement et ce qui s'est passé là-bas. Maintenant ça, dans les médias, on ne l'a pas montré. Dans les médias, on n'a même pas cherché à ouvrir le Shulchan Aruch pour chercher l'origine de la loi obligeant les hommes et les femmes à être séparés. Ça, on ne veut pas le savoir. Ça n'intéresse personne. Le Shulchan Aruch, aujourd'hui, il n'intéresse personne. Ce qui est intéressant, c'est de taper sur un. Il y en a eu un qui s'est mal comporté. Demain, j'ai un non-religieux qui a violé sa mère. Ça veut dire que tous les non-religieux ont violé leur mère ? C'est quoi ces généralités ? C'est le meilleur qu'aient lié aujourd'hui les médias pour le Lashon Hara, pour le Motzi Shimra et pour la Sinat Rinam. Tomber dans un bus, il y a 3 allumés dans le bus. Et il y a 10 idiots qui les suivent, les 3 allumés. Ça veut dire que tous les bus, ça se passe comme ça ?
C'est-à-dire qu'il faut bien se remettre en question. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? Et je vous le dis, le problème qu'il y a aujourd'hui, Baruch HaShem, je suis en relation avec énormément de Khayalim à l'armée. Qui m'appelle pour connaître les halakhot? Shabbat, ils ont une shmira. Est-ce qu'ils peuvent utiliser les lunettes infrarouges? Pas les lunettes infrarouges, comment on utilise? Et on a un problème de batterie. Il y a beaucoup de questions dans la halakha aujourd'hui avec la technologie. Ils m'appellent. On les laisse m'appeler, il n'y a aucun problème. L'armée même me laisse venir à l'armée pour donner cours, il n'y a aucun problème. L'armée, elle a un problème aujourd'hui. Les meilleurs soldats de l'armée aujourd'hui sont religieux, qu'ils aient la kippa srouga ou la kippa noire. Les soldats qu'on a mis dans le même paquet, le même sac, que les Neturei Karta de Beth Shemesh, que les problèmes de transport chez les religieux, parce qu'à ce qui paraît, c'est un problème. Quand les religieux ont demandé, quand les compagnies de transport ont répondu aux problèmes commerciaux et à une demande commerciale de leurs clients. C'est les religieux entre eux qui ont demandé à voyager comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et c'est entre les villes orthodoxes. Qui ça dérange? Non, on est en train de faire le procès. Attention, demain, ils vont nous forcer tout le monde à faire ces problèmes-là. Tout le monde va être forcé à devoir voyager séparément. Pour quelle raison? Ils ont l'angoisse. Vous savez pour quelle raison? Voilà. Moi, Baruch HaShem, j'étais dans une yeshiva il y a quelques années qui s'appelle Kfar Maimon. Attends, je laisse passer le rave après. Parce que moi, on me pose une question, il faut réagir. Sur Hadarat Nashim, d'accord, qu'on ne veut plus voir les femmes dans la rue. C'est n'importe quoi, mais ce n'est pas grave. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est impossible. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On voit quoi? Et ce n'est pas les rabbanim qui parlent de Hadarat Nashim. Hein, c'est la presse non religieuse qui parle de ça. De quoi on est en train de nous parler? On nous met dans le même sac les bus. On nous met dans le même sac les Neturei Karta. Et on nous met dans le même sac les soldats qui vont à l'armée qui ne veulent pas écouter une chorale de jeunes filles qui chantent à l'armée. Une chorale de soldats qui chantent, ils ne veulent pas écouter. Maintenant, je vous pose la question, il y a une véritable problématique. On parle de soldats d'élite, les meilleures unités de l'armée. Qu'est-ce qu'on demande à un soldat quand il va à l'armée? D'écouter un concert ou d'aller en guerre? Il y a un véritable problème. Et vous savez pourquoi il y a un problème? Parce que ça fait 3 ans que chaque année... La première année, il y a 3 ans, il y a eu 1 million de balais de tchouva. L'année dernière, il y en a eu 500 000. Cette année, on en est à 300 000. Vous savez ce que ça veut dire? Qu'il y a de plus en plus de cours de Torah en Israël. Il y a de plus en plus de kolélim, de baté midrash, toutes kippot confondues. Ça dérange. Et ça, c'est le point essentiel. Et là, la Torahra, elle n'est pas faite intelligemment. La Torahra de la part des non-religieux, parce qu'ils ne savent pas quelles sont les règles pour arriver à faire un reproche à son prochain, d'accord? Et la personne qui est partie faire une Torahra à une petite de 7 ans, qui étudie dans une école religieuse, parce que lui aussi il y a un problème avec ce monsieur-là, avec toute sa communauté. Et avec toute sa communauté, il faut bien comprendre aujourd'hui à quel point on est arrivé. Ils vont entrer dans un minyan à Bnei Brak, les Neturei Karta, on ne va pas les compter dans le minyan. Et ça, ça reste entre nous chez les orthodoxes. On ne va pas le compter, on est 9, il y a un Neturei Karta qui rentre. Si on sait que c'est un Neturei Karta, on ne le compte pas. On les connaît, ils ont leur vestimentation, nous on connaît les codes vestimentaires chez nous. Vous pouvez le croire ou pas, quand je suis à Bnei Brak, tout le monde sait que je suis tunisien. Ça peut vous rendre dingue. Les Tunisiens avec Bnei Brak, voilà à quoi ils ressemblent. Hein? Donc on voit comme ça, hein. Il faut bien comprendre. Ici vous êtes en Israël, il y a énormément de problèmes. Et Bezrat Hashem, Kakadosh Baruch Hu. Et je vais terminer là-dessus. Kvod HaRav, après, je donne le mot de la fin au Rav, parce que ce n'était pas prévu du tout que je parte là-dedans. D'accord? Vous m'avez fait faire un virage. Mais bon, c'est bien qu'on aborde le sujet. C'est bien. Maintenant, j'invite tout le monde à aller vérifier sur Gogol. D'accord? De voir que toutes les images que vous allez voir, c'est la même rue. Et que tout ce qu'il y a autour de cette communauté de Neturei Karta, ce sont des Bahourim qui habitent à côté, qui viennent juste voir par curiosité. C'est ça qui est en train de se passer. Que ceux qui appellent les soldats et les policiers nazis, ce sont ceux-là. C'est eux. C'est un problème aujourd'hui. Mais ils étaient là avant la création de l'État d'Israël. Ils étaient à Mea Shearim avant que les orthodoxes y arrivent. C'est un peu compliqué de les sortir de là-bas. Maintenant, ils sont propriétaires de leur maison. Il faut bien comprendre le problème qu'il y a. Que fait l'État d'Israël? Dire... C'est à vous les rabbins de régler votre problème. Nous on répond à l'État, excusez-nous. C'est à vous l'État de régler le problème quand les gens ne respectent pas la loi. Donc ça c'est un jeu qui se passe dans les médias. On veut donner d'un seul coup les rabbins, on veut les mariages civils,
On ne veut plus la rabbanoute en Israël, on veut les mariages civils. On ne veut plus la rabbanoute, on veut détruire la rabbanoute en Israël. Mais d'un seul coup, il y a un problème plili, pénal. On demande aux rabbanim de régler le problème pénal. On va où ? Donc maintenant, le dernier point que vous devez comprendre. On nous rapporte dans la Gemara, pour quelle raison aujourd'hui on doit aimer son prochain ? C'est extrêmement important. Et ça, ce sera mon mot de la fin. Premièrement, avant d'aborder ce sujet, quand on fait une tochacha à son prochain, il ne faut pas se mettre en colère. On peut être énergique, mais il ne faut pas se mettre en colère. On dit qu'un père qui est en colère, il n'aura pas le droit de gronder son enfant. Parce qu'au lieu de le réparer, il va le renforcer dans sa faute. Quand on va gronder son enfant, il ne faut pas être en colère. Quand on va se disputer avec sa femme ou avec son mari, il ne faut pas être en colère. On peut lever la voix pour montrer que là, je ne suis pas d'accord. Mais pas être en colère, pas le droit. Celui qui est en colère, il est patour de chinour. Patour de chinour. Il éduque plus, parce qu'il se met en colère. Il faut bien comprendre comment faire la tochacha. Si oui ou non, je sais faire la tochacha. Si oui ou non, j'ai bien analysé le problème. Et si oui ou non, je suis dans la bonne condition, d'accord ? Les bonnes conditions mentales et spirituelles, pour faire le reproche à l'autre. Ça, c'est un. Et le deuxième point qui est extrêmement important, pourquoi l'amour de son prochain ? On nous rapporte que le deuxième temple a été détruit à cause de la Sinat Rinam. La Gemara nous rapporte une chose extraordinaire. Elle nous dit que ce Bigva Demshicha, au talon de Mashiach, vu qu'on n'est qu'un seul corps, la dernière génération avant Mashiach, elle a appelé le talon. Le talon, c'est une partie insignifiante du pied. Couper le talon, les deux talons à une personne, elle ne pourra pas tenir debout. Toutes les générations qui nous ont précédées, elles tiennent debout sur nous, à condition que nous, on arrive à ramener Mashiach. Igva Demshicha, le talon du Mashiach. Ekev, c'est le Mashiach. D'accord ? Maintenant, on peut le voir dans deux sens. Ekev, c'est le talon. Ekev, c'est empêcher le Mashiach de venir. C'est à nous, c'est selon nos maasim. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit ? On dit, pour réparer ça, il y aura des talmidei chachamim. Il y aura une telle évolution dans la Gemara, une telle évolution des mœurs, qui seront obligés, s'ils veulent étudier la Torah toute la journée, de ne pas pouvoir gagner leur vie. Ils vont vivre dans la pauvreté. Et il y aura des gens qui ne seront pas talmidei chachamim, qui vont travailler, mais ils ne pourront pas être talmidei chacham pour travailler. Et qu'est-ce qui se passe ? Le talmidei chacham, pour arriver à faire sa Torah, il aura besoin de la tzedaka, hein, de celui qui travaille. Et celui qui travaille, lorsqu'il aura des soucis, il va venir vers le talmidei chacham pour lui demander la chorma de la Torah pour régler, et réussir à régler ses problèmes. Quand on aura compris ça, que quand nos soldats vont prier, on a besoin des avrechim, d'accord ? Et que les avrechim, pour être dans l'école élim, ils ont aussi besoin des soldats qui vont les protéger. Donc on a besoin les uns des autres. Quand on aura compris ça, et qu'on arrêtera de se taper sur la tête pour rien, bah Bezrat Hashem, ma chère viendra, il y aura la avatrinam Bezrat Hashem. Ça veut dire une chose très importante, et c'est en fin de compte ce que dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, que si cette mitzvah, elle était accomplie comme il faut, alors il n'y aurait que amour et il n'y aurait que solidarité dans tout Israël. Parce qu'en réalité, la logique, c'est quoi ? C'est que l'autre, il me sert aussi à ouvrir un angle de vue. Vous savez, des fois, on regarde une situation comme ça, on ne la comprend pas. Quand on se met d'un autre côté, on change d'angle, on voit. Maintenant, on dit, il faut s'habituer, pour comprendre l'autre, il faut s'habituer à regarder l'autre, comment est-ce que l'autre, il te regarde à toi. Ça change complètement les choses. Il séparait la logique de la tochacha. Alors moi, qu'est-ce que je veux faire ? Je veux éclairer la personne. Je veux que la personne, elle voit différemment les choses. Alors moi, déjà, il faut qu'en moi-même, j'arrive à avoir cette dimension-là, d'être capable de me remettre en cause personnellement. Vous savez, quand il y a quelques années, malheureusement, il y avait des attentats très graves en Israël. Il y avait eu un attentat avec le bus numéro 2. Il y avait eu des morts. Et ça s'appelle Mita Meshuna. Ça veut dire que des gens, ils sont déchiquetés. Le corps, il est coupé en morceaux. C'est une mort horrible. Alors à l'époque, ils avaient demandé au Rav Steinman. Ils l'ont demandé, mais comment ça se fait qu'il y a des morts comme ça ? Et des non-religieux et des religieux. La bombe, en plus, à Yerushalayim. Il a répondu, il a dit une chose incroyable. Il a dit que la Mita Meshuna, les Shfichut Damim, ils viennent à cause du znout. Ils viennent à cause de la débauche. Il a dit, mais il y a des religieux qui meurent. Il a dit, même chez les religieux, peut-être la proportion elle est moins grande, mais comme il y a des actes de débauche, ça amène la mort. Regarde comment le Chacham, il a été cherché. Il a cherché chez lui. Il a cherché dans la communauté. Il n'a pas été cherché dehors. Vous comprenez ou non ? Il aurait pu dire, mais dis-moi, tous ces Chilou Shabbat, ils méritent de prendre une Darba. Non, il a dit, chez nous, on doit réfléchir comment ça se fait que chez nous, notre débauche à nous, elle peut provoquer quelque chose.
Le Rav Israël Salanter, il était une fois dans son Betamidrash à Paris, et non, là-bas où il était, je ne sais pas où, en Pologne, ouais, il n'y avait que des gens religieux devant lui. Il leur a dit, sachez, voilà comment il faut être médaillé avec les halachot et tous les dinim et les diukim de Rabbanan, de Raita, tous les... Alors, il y en a un, il s'est levé, il a dit, mais Rav, qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire? Nous, on connaît les halachot, qu'est-ce que vous faites? Il a dit, sachez que vous, en tant que qui êtes placé à un niveau de responsabilité plus haute parce que vous êtes plus religieux, vous ne tenez pas bien le Shabbat. Alors à Paris, il y a un juif non religieux qui est mehalel le Shabbat, Befaresia. Il prend la voiture. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, on est lié. Et ça veut dire que la première tochacha, oui, tu l'as cherches chez toi, tu ne la cherches pas chez l'autre. Il y a deux ou trois jours là, un Rav m'a dit que Rav Steinman, il doit sortir une lettre, il a fait une lettre, ils doivent la traduire et la mettre et la faire connaître aux gens. Que quand il a entendu tous ces problèmes du manque de kavod ou je ne sais pas quoi, que les femmes elles sont maltraitées et la ségrégation, ça veut dire qu'ils veulent nous faire porter l'habit des talibans. C'est pas grave, on a l'habitude des juifs antisémites. Mais c'est quoi l'idée, ouais? C'est que, regardez ce qu'il a répondu Rav Steinman. Écoutez bien, hein. Il a dit Rabotai, ça veut dire que dans notre communauté, il parle des religieux, hein, on ne fait pas attention au kavod de notre femme. Mais quel rapport? Chacun il doit faire attention au kavod de sa femme. Vous comprenez cette logique ou non? C'est que si nous, on nous accuse de ne pas faire kavod aux femmes, c'est pas qu'on ne fait pas kavod aux femmes. Pourquoi vous rappelez-vous quand est-ce qu'un religieux vous a dragué, il vous a touché, il vous a fait une blague, il vous a poussé? Vous rappelez tout ça quand il vous a volé votre vélo, qu'il est parti avec le scooter de votre fils? Vous rappelez de ça? Vous avez vu comment les prisons elles sont remplies de gens qui connaissent le chasse? Vous en rappelez de cela ou non? Vous les avez connus, non? Oui, en France, nous, on ne veut pas se tromper, parce que nous, celui qui veut apprendre les langues du Maghreb, il va en prison. Mais ici, peut-être, je ne sais pas, peut-être que non, c'est impossible. Donc c'est quoi l'idée? Donc ça veut dire, c'est une tochacha mina shamaim. Le tzaddik, il prend la tochacha mina shamaim. Il dit, si on nous met dans les journaux qu'on ne fait pas attention aux femmes, c'est pas qu'on ne fait pas attention aux femmes. Oui, mais le plus grand kavod qui est fait aux femmes, c'est la religion juive. Il n'y a pas mieux, c'est impossible. Oui. Et pourtant, il a dit, ça veut dire que nous, on doit travailler sur le kavod que nous, on fait à nos femmes, à nous. Nous, en tant que religieux, en tant qu'homme, chaque homme, il doit dire, est-ce que j'ai fait kavod à ma femme? Parce que ça veut dire qu'on nous envoie un message de l'extérieur. C'est-à-dire que même la tikshoret, même le journaliste, pas religieux, qui veut être l'agent du Chilul Hashem, parce qu'il va mettre dans les journaux, même vous êtes en Israël, mais moi, je le vois en France, moi, je vois les journaux, je vois un journal télévisé. On a besoin, nous, en tant que juifs, de dire, ah, vous vous rendez compte, les orthodoxes. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le type, il croit qu'il est en train d'exciter des religieux, il est en train de faire Chilul Hashem dans le monde entier. Maintenant, lui, il ne sait pas qu'il est agent du Chilul Hashem, mais même l'agent du Chilul Hashem, oui, vous ne en faites pas quelques jours, il n'est pas en train de dormir, il le voit, ça. Et il le laisse faire. Pourquoi? Parce que ça, c'est une tochacha qu'Hachem nous envoie à nous. Donc moi, je dois chercher qu'est-ce qu'il me veut, le bon Dieu, qu'est-ce qu'il me veut à moi. Et quand moi, je comprends la tochacha chez moi, c'est très facile de la comprendre chez l'autre. La preuve. Pour citer encore un Frankie, un jour, c'était un Shabbat. Il était en train de se promener Shabbat avec Slevin. Vous savez que Frankie était très religieux. Oui, une Yirat Shamaim incroyable. Et un jour, il passe dans Slevin, un samedi après-midi. Et il y a un goy qui passe, il lui dit sale juif. Ça peut arriver. Écoutez bien. Il a réfléchi, il a dit, ça fait 30 ans que je suis avec Slébin, jamais un goy m'a dit sale juif. Il a fouillé dans ses poches, il a trouvé un mouchoir. Je ne sais pas si vous... C'est-à-dire qu'il y a un Franck qui sait que le goy, c'est comme si Dieu, il a un micro, et le goy, c'est l'enceinte. Donc le son qui sort du goy, c'est le bon Dieu qui parle. Malheureusement, en Israël, c'est pas le goy qui parle. Je sais pas si vous... Mais c'est quand même le bon Dieu qui tient le micro. Mais c'est un autre qui parle. C'est-à-dire que quand l'autre qui vient chez toi, il te dit quelque chose, ouais. Il faut comprendre qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il cherche. Mais toi, tu le regardes pas avec son sechel à lui, parce que lui, il est dans une haine, lui, il est dans un malaise, lui, il est dans une contrainte, que tu es en train de lui dire qu'il est obligé de devenir religieux parce qu'il est juif. Ça le stresse. Donc, il invente des bêtises. Bientôt, ils vont dire qu'on met du sang d'enfant dans les matzot. Pourquoi pas? On va arriver. Ouais. C'est pas grave. Mais c'est pas grave. N'ayez pas peur. C'est pas le malaise, l'angoisse. Il n'y a pas de malaise, il n'y a pas d'angoisse. Au contraire. Ouais, ça veut dire que c'est une obligation encore de se renforcer, encore de travailler. Et c'est bien. C'est-à-dire qu'on doit être encore plus parfait, on doit être encore plus magnifique, on doit être encore plus extraordinaire pour que l'autre, même en se trompant, il n'arrive pas à trouver une erreur. Il dit j'essaye, j'arrive pas.
C'est bien, c'est très bien. Donc cette logique-là, c'est quoi? C'est qu'on on accepte la logique de la tochacha. Maintenant, des fois, la tochacha, elle vient minashamayim. Je vous dis la vérité, c'est marqué dans le Zohar, que quand quelqu'un, il écoute plus les rabbins qui lui font les tochachot, Hachem, il envoie des goyim pour faire les tochachot. Le Rav Elchanan Wasserman, 10 ans avant la guerre, il a dit, si vous, quand les réformistes, ils ont fait des nouvelles lois, ils ont dit, on va faire le Shabbat le dimanche, on va faire chanter les femmes. Il a dit, le Rav Elchanan, il a dit, vous faites des nouvelles lois juives, eux, ils vont faire des nouvelles lois juives. Vous avez des nouvelles lois pour le judaïsme, les goyim, ils vont inventer des nouvelles lois pour les juifs. C'était les lois juives qui sont sorties les nazis. Mais c'est une tochacha. Est-ce que vous me suivez? C'est une tochacha. Maintenant, la tochacha, on ne veut pas qu'elle soit violente. Mais en vérité, la logique, c'est quoi? C'est que plus tu es Allah, plus la chose, elle est violente. Si tu dors et qu'il y a le feu, sache que le pompier, il ne va pas taper à la porte, il va casser la porte. Tu dis, mais quand même, qui c'est qui va me rembourser la porte? Mais tu es en train de mourir, il a cassé la porte. Tu as le pompier, tu as vu qu'il sonne, il t'envoie une lettre. Nous allons venir pour éteindre le feu. Non, il casse la porte. Maintenant, pourquoi il casse la porte? Parce qu'il y a le feu. Maintenant, qui c'est qui a mis le feu? C'est toi. Donc toi, tu te plains qu'il a cassé la porte. Et lui, il te dit, mais moi, je fais mon métier. Donc un jour, si Dieu veut, quand chacun il va se mettre en situation de dire, moi, j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de changer, j'ai besoin de grandir, ouais, et c'est bon pour moi. C'est comme ça qu'un chacham, il devient chacham, et c'est bon pour lui. D'ailleurs, la Gemara, elle dit des choses incroyables. Elle dit qu'un élève qui se fait engueuler par son rave très fort, oui, il va comprendre des halakhot. Et si c'est encore plus fort, il va comprendre encore mieux. Pourquoi? Parce qu'une des bases de la connaissance, c'est la modestie. Maintenant, des fois, il faut savoir faire cette mise accessible à chacun, se la fermer. Réfléchis chez toi. Un jour, tu vas dire, tu vois, ma femme, si elle parle, c'est pas pour rien. Il doit y avoir quelque chose derrière. Et mon mari, s'il parle, c'est pas pour rien. Et si mon enfant, il parle, c'est pas pour rien. Et si le voisin, il parle, c'est pas pour rien. Maintenant, qu'on n'en vienne pas, Chas v'Shalom, à ce que ce soit les goyim qui sont obligés de nous faire du moussard. Maintenant, je vous dis un secret dans la tochacha. C'est que si tu n'as pas envie d'en subir, t'as qu'à te les faire toi-même. Alors, on a créé un truc extraordinaire qui s'appelle le miroir. Oui? Et c'est un truc phénoménal. Hein. Je sais pas dans quelle mesure je vais vous choquer, mais... Vous savez, le matin, vous partir. Moi, je vais pour partir, j'ai mon costume et tout ça. Et je prends le petit dernier, je lui fais comme ça et tout ça. Et pour faire le petit ro, ma femme me dit, je t'en prie, fais-lui le ro. Alors, il fait le ro, mais il fait un ro... Mjien. Il me fait un œillet. Un œillet. Vous savez ce que c'est un œillet? Une belle fleur comme ça, mais là, c'est du vomi. D'accord? Donc maintenant, moi, je m'en rends compte. Qu'est-ce que je fais? Je frotte, je m'en vais. J'arrive au travail, quelqu'un me dit, ah, tu sais, t'as une tache. Je dis, ouais, je sais, c'est mon fils. Maintenant, si je ne me suis pas rendu compte, il y a la tâche, je ne me suis pas rendu compte, je suis parti, j'arrive au bureau. Maintenant, il vient, il me dit, dis-moi, t'es un malpropre. Je dis, pourquoi? Il me dit, t'as vu ton œillet là? T'as vu ton... Oh, la chouma qui va me faire, le choc, que je ne me suis pas préparé, que je ne m'attendais pas. Et là, on est devant tout le monde. Je vais lui en vouloir, je vais avoir la haine contre lui. Mais c'est la même tâche. Quand je me suis rendu compte moi-même, je dis, bon, bah, ça peut arriver. Mais quand je ne me suis pas rendu compte moi-même, je vis la tochacha comme une agression. Ça va? Maintenant, c'est tous les défauts, c'est pareil. Si je m'écoute parler et je dis, mais je dis des gros mots, j'ai pas besoin que l'autre il me dise comment ça se fait que t'es pas poli. Si moi je vois que l'heure y passe et j'arrive en retard, j'ai pas besoin de dire comment ça se fait qu'il a osé me dire t'es en retard. Si moi-même je suis Mechal el Shabbat, ouais, et que j'habite à côté de quelqu'un qui me dit, écoute, c'est Shabbat, je t'en prie la tondeuse, t'es pas obligé de la faire Shabbat, tu peux la faire dimanche. Je vais la faire Shabbat. Ne t'étonne pas que le mec qui te regarde avec des yeux bizarres. Après, tu dis, mais pourquoi tu me regardes comme ça? Mais même un goy, tu habites en France, un goy, tu dis, monsieur, c'est samedi, c'est ma journée de repos, pourriez-vous faire votre tondeuse dimanche? Et tu dis, mais bien sûr, je vais la faire. Mais si le religieux, tu dis, écoute, c'est Shabbat, c'est difficile pour moi d'expliquer à mon fils le kiddush, et pendant ce temps-là, je vois le voisin qui est juif en train de faire la tondeuse. Ça te dérange de faire dimanche? Pourquoi il va dire non? Parce que si le goy lui avait demandé, il aurait dit, mais simcha rabba. Et si le juif, il lui demande, il le prend mal. Pourquoi? Parce que plus c'est proche de toi, plus tu le prends mal. Alors je te dis, il n'y a pas plus proche de toi que toi. Il n'y a pas. C'est très rare. Il ouais n'y a pas plus proche de toi que toi. C'est les mots de la Gemara. Adam, Karov, et Tselatsmo. L'homme est proche de lui-même. Alors si tu es tellement proche de toi, eh ben t'as qu'à te faire la Torah à toi. Ça va? Maintenant, quand tu te la fais à toi, tu ne la subis pas de l'autre parce que tu te l'es déjà faite à toi. Moi, je vous parle, par exemple. Et je m'écoute parler en même temps que je vous parle. Quand je parle à mes enfants, je m'écoute parler en même temps que je parle. Quand je parle à ma femme, je m'écoute parler. C'est comme ça qu'on fait. On met une caméra au-dessus de sa tête. Ça s'appelle le moussard. Le moussard n'est pas une marque de moussard rasé. Le moussard,
c'est la projection que tu as toi-même sur tes propres actes. Donc en fait, tu es déjà dans un filtrage de propre Torahra. Tu sais combien tu as éliminé de Torahra que tu ne vas pas recevoir, d'accord ? Maintenant, puisque tu es proche de toi, après tu dis, mais eh ben, moi aussi je dois le faire avec ma femme. Eh ben, c'est normal, ishtok et goufo. Donc puisque je suis proche de moi, je suis aussi proche de ma femme. Donc j'ai dit, le même les kafzochout que moi, j'ai besoin de moi-même, je vais le donner à l'autre. Donc comme je vais le donner à l'autre, l'autre aussi va le prendre bien. Vous me suivez ou non ? Après les deux, quand on a l'habitude de se faire des torahot normalement, gentiment, avec amour, après l'enfant, il va le prendre normalement aussi bien. Et ça, c'est très important. Nous, très jeunes, mon fils, il est là, il peut vous témoigner, que nous, très jeunes, on explique à l'enfant, t'as fait une bêtise, voilà comment ça se passe, voilà, ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien, il y a des halakhot, c'est pas normal ce que tu as fait. Ah, ils ont une petite amma, c'est pas facile. Vous avez ce phénomène, vous, chaque repas de Shabbat, il y a une bagarre, pourquoi tu m'as pris de ma place? Vous avez ça, les petits? C'est ma place, j'avais pris la chaise, j'ai ma place. C'est un minak de Shabbat. Il devrait, je ne sais pas pourquoi il n'est pas dans le Shulchan Aruch. Chaque repas, il y en a un qui dit j'ai pris la chaise, l'autre il dit c'était ma place, je l'avais dit à maman, je l'avais dit c'est normal, d'accord. Alors qu'est-ce qu'on fait évidemment? Shlomo HaMelech, il vient, le papa, qu'est-ce qui s'est passé? Alors voilà, c'est ma chaise, c'est ta chaise, on fait une enquête, on voit que c'était le premier, on le met ici, et le deuxième on lui dit maintenant tu vas t'asseoir ailleurs. Qu'est-ce qu'il fait? C'est normal, il pleure. Alors on le prend, on lui dit voilà, c'est Shabbat, tu vas pas nous mettre la Ramma à table, tu vas dans la chambre, tu pleures tant que tu veux, tu peux déchirer le papier peint, tu peux manger l'ampoule de nerfs, c'est pas grave. Et quand tu t'es calmé, tu viens à la maison. Alors ils pleurent un petit peu. Ils sont petits, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Alors les autres petits demandent, ils disent pourquoi elle pleure? Elle a mal? Je dis ouais, elle a mal. Elle dit mais elle a mal où? Je dis elle a mal à la gava. C'est pas grave. Il vaut mieux avoir mal à la gava quand tu as 6 ans que d'avoir mal à la gava quand tu as 28 ans. Ça s'appelle capricieux. À 32 ans, ça s'appelle obsessionnel. Donc c'est pas grave. Et ça fait partie de la Torah. Et ils sont très contents. Et après les gens ils te disent, oh, ils ont bien éduqué vos enfants. Et on a commencé tôt. Hein. T'attends pas que le métal il soit bien tordu et bien sec pour commencer à le remettre droit. Donc c'est une Torah d'amour, c'est une Torah d'éducation, c'est une Torah qui rend service. Et l'enfant il le sait. Il le sait. Si tu le cries avec amour, il va t'aimer plus. Mais si tu le cries pour te défouler, il va te haïr. Pourtant c'est les mêmes cris, la même intensité. Donc on a compris maintenant. Un esprit de choisir ses mots, de bien réfléchir au dosage, d'adapter à la personne qui est en face, et de le faire avec finesse, avec intelligence, avec l'adaptation aussi, selon le type de personne, selon le type de religion, selon le type d'âge, selon le type de capacité d'écouter. Ouais. Et des fois, même quitte, et ça c'est une chose incroyable, même quitte des fois à remettre en cause des manières de donner l'halakha. Si on raconte que Rav Israël Salanter, il était rave de, je crois, de Amsterdam. Et Amsterdam, c'était un grand port. Et au port, les trois quarts des gens qui travaillaient, c'était des juifs. Donc tout le monde travaillait Shabbat. Tout le monde travaillait Shabbat. Comment il va faire? S'il leur dit, Rabotai, Kol Melacha lo ta'asu, c'est fini, la synagogue est vide. Vous savez ce qu'il a fait? Il a dit, Rabotai, il a expliqué, il y a Shabbat, l'important du Shabbat, il a fait une belle racha sur le Shabbat. Il leur a dit, je vous demande une chose, faites le kiddush vendredi soir. Il dit, mais ça ne sert à rien, puisque faites le kiddush. Après, il leur a dit, vous portez le Shabbat. Pourquoi vous portez? Parce que vous amenez un mouchoir. Mettez un mouchoir ici, un mouchoir à la maison, comme ça vous n'avez pas besoin de porter. Mais le reste, continuez à allumer le feu, continuez à prendre la voiture, continuez à signer les papiers, il continue. Il a mis trois ans, halakha par halakha, pour les amener au Shmirat Shabbat. Tu me comprends pas, pendant ce temps-là, ils continuent à faire des averot. T'as vu la Torah? La Torah, c'est obtenir un résultat. Si tu dis, moi j'ai fait ma mitzvah, maintenant Claude qui crève, il reste avec ses complexes et ses malaises. Mais t'as rien fait toi. Au contraire, t'as fait une avera. C'est ça, velotissar à la frette. Tu crois que t'as fait une mitzvah? En fait, t'as fait une avera. Donc d'avoir cette finesse, c'est pour ça que ça demande beaucoup de chorma. C'est pas une mitzvah simple. Et comme il a dit le Rav Ishai, si vous sentez que vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas tour. C'est pas la peine de. Ne dites pas, ah, j'ai raté une mitzvah. Fais une mitzvah de te la fermer. C'est une mitzvah extraordinaire. Tu vois que tu n'es pas capable, tu sais que tu vas crier, tu sais que tu vas le faire mal, tu sais que tu vas empirer. Fais cette mitzvah, tais-toi, tu ne rates pas une mitzvah, au contraire, tu fais une mitzvah. De ne pas détruire, de construire, ce n'est pas facile, de ne pas détruire, c'est une mitzvah aussi. Et cette logique-là, si vraiment chacun il la prend à cœur, encore une fois, vous avez compris maintenant, par rapport à soi-même, de ne pas se prendre pour le Mashiach, et moi je vais amener la délivrance, et moi je vais sauver le monde. Non, 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 les gens qui viennent pour sauver le monde, en général, ils se prennent les pieds dans le câble, et ils cassent la porte, et ils blessent une petite vieille. Non, non, vas-y en douceur. Déjà, essaye de te sauver toi-même.
Après, essaye de sauver ta femme, tes enfants. Après, essaye de sauver ta famille proche, si tu peux. Et après, si tu veux, peut-être tu vas pouvoir aider à sauver quelqu'un. Parce que moi, je vous dis, j'ai une certaine expérience. J'ai quelques milliers de conférences. Et quand les gens ils me demandent, et je tremble. Encore, je Shabbat, là, une dame, elle m'a dit, écoutez, j'ai 14 ans de différence, je me suis marié très jeune. Et j'ai 26 ans, j'ai deux enfants, un qui est anormal à cause des crises qu'il y a dans la maison, et mon mari me frappe tous les jours. Est-ce que vous pensez que je dois divorcer? Je lui ai dit, écoutez madame, vu la situation, je pense que oui, mais enfin, il faut essayer de tout tenter. Elle me dit, bon, vous me promettez que je vais me remarier? Je dis, madame, je ne peux pas vous promettre que vous allez vous remarier. Mais elle est sérieuse maintenant, elle a un remarque grave. C'est dur. Vous avez compris ou non? Pourquoi? Parce que les gens, ils veulent que vous décidiez à leur place. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois essayer d'orienter au maximum, de mettre en situation 2. La situation 2, c'est 80% que tu lui redonnes confiance et 20% que tu donnes une information. 80% de confiance. Et bien, c'est pareil, la Torahra. C'est 80% de confiance et 20% d'information. Si tu es dans cet esprit-là, c'est une mitzva et tu le feras bien et tu verras que Bezrat Hashem, ça marchera très bien et tu deviendras toi-même un keli de Torahra, c'est-à-dire pas de Torahra dans le sens de la réprimande et de Torahra dans le sens de la Ohahra. Tu seras un keli pour transmettre, pour faire grandir, parce que tu es dans cet esprit-là. Si tu n'es pas dans cet esprit-là, ne te force pas, c'est pas la peine de faire carrière dans ce truc-là. Reste plombier ou là, casse des murs ou fais autre chose, mais c'est dommage de vouloir soi-disant faire le bien et en fin de compte que ça fait l'effet contraire. Combien de fois j'ai récupéré des bachourim ou des trucs, il me dit, moi le Rav, j'ai mis une cravate un peu orange, il m'a traité de tous les noms, il m'a dit que je suis un voleur. Et le gosse maintenant, il est avec la Goya, il se drogue. Et l'autre, il est sûr qu'il a fait une mitzvah maintenant, genre parce qu'il a mis une cravate orange. T'as compris ou non? Par manque de pédagogie, par manque de finesse. Et quand je dis un Rav, ça veut dire que les Ravs sont comme ça. Ça veut dire que même un Rav, il peut faire une erreur. Alors, Kol Sheken, quelqu'un qui a une pédagogie à deux balles, et que sous prétexte que c'est ce gosse-là, c'est justement le fils de son ex, et que maintenant il a la haine contre lui, il veut détruire l'enfant parce que, ou une directrice d'école qui veut détruire l'enfant parce qu'elle a un problème de gave avec les parents. Ça existe tous les jours, c'est vrai. Donc on doit armer nos enfants pour ça. Mais quand on les arme, oui, on les arme avec amour. Parce que ce qui va leur permettre de traverser ces crises, c'est le capital d'amour qu'ils ont reçu. C'est pas le capital de Rama qu'ils ont reçu. Ça va? Voilà. Chazak ou Baruch.